Mais je crois qu'on partait sur un conseil, les différentes factions. Bah en fait, à vrai dire, oh là, oh, mon stream est pas fort. Pourquoi il m'affiche pas mon stream? Il affiche la carte, dans le roulette. Du coup, ce qui fait que, au niveau de cette réunion, est-ce que vous allez y participer? Je pense que oui, puisque vous êtes les gouverneurs. Bon, Oui, bien sûr. ouais. J'avoue que j'ai pas réfléchi comment j'allais la jouer, cette scène. Mais vous aviez décidé pour le souvenir d'avoir comment elle s'appelle? Sylvia pour les fées. Sylvia, oui, tout à fait. Le père d'Ilana pour en tant qu'artisan. Non, en tant qu'intendant. En tant que marchand. Intendant. Attendant. Ah oui. Intendant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le mot, et ouais, c'était le troisième mot, pardon. Intendant, vous aviez prévu aussi une chef légionnaire, alors je sais plus laquelle, mais celle qui est gentille. Il y avait Calixène et Jocasta. Calixen, voilà. Vous avez proposé aussi Jocasta, mais bon. Hein? Pour essayer de calmer. Et puis je crois qu'on avait proposé aussi Nirina pour la guilde de marchands. Yes. Je crois qu'on a Et oublié. on avait proposé aussi les keftos de Amelot Voilà. et Paradius. C'est ça. Je crois aussi qu'il y a une lettre qui a été envoyée d'Ilana à Atalys pour savoir si Atalys voulait aussi. Et puis c'était une petite discussion parce que comme elle est lanceuse de sorts, vous étiez un petit peu dans l'idée qu'il fallait laisser des gens qui n'utilisaient pas la magie pour gouverner la région comme le veut les règles en Pangée, dans l'Empire Minéen. Et c'est pour ça qu'on partait plus pour nommer son père Dilana une fois qu'il aura pris ses marques de mémoire. Hein. C'est ça. Et ma mère, elle, a été envoyée auprès du Sénat pour faire de la politique à notre région. C'est ça? C'est ça. Exactement. Alors, oh là, je t'ai pas envoyé, je t'ai pas répondu à ton MP. À qui? À toi. À moi? Oui. J'ai l'impression de me réveiller depuis au moins 15 jours là. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de répondre à ton MP. Je vois pas lequel, mais bon. Du 4 décembre. Ok. Bon, je reviens. J'avoue que c'est un MP qui vient de me revenir comme ça, comme une flèche, là. Alors, oui. Et je vais faire une réponse un petit peu plus généralisée. Parce que Je suis là. c'est beaucoup plus grave que prévu. Comment ça? Alors, tu peux le refaire parce que j'avais pas mon casque à un moment donné, du coup j'étais pas tout entendu. Alors, j'attends que tu sois assise parce que assis parce que ça va Je viens de passer. m'asseoir. Voilà, ça va défiler. Vous avez plusieurs messages qui vont venir de toutes parts. Que ça soit tes envoyés, mon cher Ocaris. Que ça soit au niveau du fort là où vous aviez laissé les brises soleil. Mais également de la part de Felria. Et à vrai dire, vous en recevrez d'autres endroits, puisqu'il semblerait que cette fois, les choses dégénèrent gravement
On a repéré non pas quelques zombies, ni quelques zombies un petit peu trop nombreux, mais là cette fois il s'agit d'une méga horde qui semble venir de là où se trouvait de base la horde blanche. Et cette fois, la horde blanche qui est censée rester derrière ces barricades et préparer des attaques, cette fois ils ont décidé visiblement de sortir des barricades, mais pas en vie. Et cette fois ils se dirigent vers vous tous. Donc bien entendu, tous les points ne vont pas pouvoir les contenir. Il va certainement y en arriver jusqu'à vous. Mais bien entendu, vous avez plusieurs possibilités de les contenir bien avant. Entre autres, Felrea vous dira. Je pense qu'il vous dira, parce que même si je te le dis qu'à toi, tu répéteras aux autres. Et je pense que ça va être assez grave pour que tout le monde soit au courant. C'est que l'arbre aux 1000 bourgeons fait partie des zones qui seront touchées de plein fouet. Et on vous propose d'urgence de venir établir une zone de défense avec qui vous voudrez amener, mais de venir Ok. d'urgence, sachant qu'il vous faut quand même quelques jours pour y aller. Ok, donc effectivement, c'est une information très importante. Je pense que j'aurais. Enfin, je l'aurais partagé à Vald. Je pense qu'il faut convoquer Calixène et Jocasta sur le sujet. Oui, parce que autant on a pu la différence, autant là, on aura clairement besoin de Légion pour repousser tout ça. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas dénaturer enfin, enlever de la protection au fort, parce que si on met toutes nos forces aux 1000 bourgeons, quand bien même il est important, bon, mieux vaut en discuter avec elle du coup, je leur fais envoyer un message en leur demandant, en les convoquant. Et tu vois que Alnar se fait un malin plaisir de convoquer Jocasta. Je vois le truc. En plus, Au moment où il Alnar. signe la lettre, tu sais, il a un petit sourire. En plus, je vois bien que sur la carte, je vous ai mis un trait noir avec la zone horde blanche, qui vous laisse montrer un petit peu le possible désastre qui est en train d'arriver. La région est quand même grande dans toute cette barre noire. Très bien. Ça va se faire assez rapidement. Les convocations, du coup, bah après, Calixène n'est vraiment pas très très loin de toi, puisque puisqu'elle est avec Timnée. Bah, Ouais. Si, une question. Crisée, vous l'aviez gardée au fort? sous bonne garde, oui. D'accord. Oh la vache. Attention, Ouais. attention. Vous lui aviez mis quoi dessus comme protection? Si Ça jamais. comme protection. Vous l'avez Tout ce juste. qu'on pouvait faire. Ouais, enchaîné, truc anti-magie. C'est ça. Voilà. Ok, bon, bah Bah, elle est est-ce prête. qu'on a des trucs anti-magie? Nous, personne PJ, non, mais je pense que l'Ordre Rouge, oui. Oui. Surtout que Timéné est venu.
Donc je pense qu'elle a dû ramener de quoi la... Chose importante qui va être aussi à faire sans doute avant cette réunion au sommet concernant ces barrières. On vient vous informer que Crisée aurait disparu, mais pas ses vêtements. Pardon. En gros, là où elle était censée être enchaînée avec ses vêtements, il y a toujours les menottes, il y a toujours les vêtements, mais il n'y a plus de Crisée. Je fais sonner l'alarme, je pense. Enfin, avant de faire sonner l'alarme, je pense que je me précipite vers sa cellule. Vald. Je sais pas ce que Valde fait. Moi, je demande un peu au soleil parce que j'ai pas forcément tous les détails par rapport à Crisée parce que effectivement j'étais pas là à ce moment-là. J'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants. J'ai juste ben bon le j'ai su le résumé bon sorcière extrêmement puissante et véhémente qui a fait des choses terribles. Donc, ce que va faire Vald, c'est demander un peu les détails où était enfermé Crisée par rapport au fort, tout ça, sur une carte. Et ce que va faire Vald, c'est essayer de, aux différents axes de la ville où sortir, y faire un peu le tour en incantant un rituel détection de la magie. D'accord. Est-ce que peut considérer que c'est de la magie? Je devrais pas penser à voix haute, je pense, la MJ. Oui, disons que c'est un flux de magie hyper puissant. Je veux pas dire qu'un commun des mortels ne pourrait pas avoir, mais quelque chose de plus puissant, quoi. Mais c'est ce que j'identifie. C'est ce que tu ressens. Tu fais un détecter la magie, hein, c'est tout, hein, tu fais pas une idée en ligne. Oh, oui, c'est détection de la magie. Donc c'est un flux puissant que tu sens. Mais est-ce que j'en sens une trace? Oui, sur les vêtements, oui. Non, mais moi je t'ai dit, moi je suis pas aux vêtements. Ah merde. T'es où? Pardon. Moi je suis pas aux vêtements, je t'ai dit. Moi en fait, j'ai demandé... par rapport à où était Crisée, tout ça, par rapport aux différents axes pour entrer dans les dans le fort et ses alentours. Et moi, je fais un tour des différents axes pour entrer dans le fort Ah, avec les détection de la magie activée. axes. Ah, les axes. Pardon. Les routes. Pardon. Oui. J'ai pensé à autre chose. Pardon. Donc non, tu ressens pas de magie. Non, tu ressens qu'une magie sur les chemins, sur les axes. Toi, Alnar, tu m'as dit que tu as été directement voir, hein. C'est bien ça? Oui, littéralement son visage s'est fermé et il est limite en colère, enfin il parlera mal aux gens qu'il croisera en disant j'ai pas le temps, on en parle plus tard. Enfin, c'est vraiment Est-ce que tu veux bien le tout autre faire? Alnar. Mais si tu regardes, j'imagine que tu investigues un peu, t'enquêtes un peu, quoi. Ah oui, bah oui, tout à fait. Me faire un petit jet. De quoi? Investigation ou perception? Investigation, c'est mieux. Je pense que je suis trop pris dans l'émotion pour voir quoi que ce soit. Ouais. Je sais même pas quoi faire avec ce 1.
Mais oui, effectivement, tu ne. Oui, tu es trop énervé. Oui, clairement. Et ça se comprend. Je pense que Ilana aussi. Vous entendez Alnar gueuler dans tout le fort. T'auras certainement Silly qui viendra te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maître? Crisée a disparu! Retrouvez-la! Elle est dans le fort! Ah bah, tout de suite tu dis ça à Silly, tout de suite Silly, lui, il part alarmer tout le monde, mettre le fort sans dessus dessous, pour que tout le monde la recherche. Et c'est super drôle parce que du coup, bah, comme vous avez convoqué d'urgence les chefs de guerre, Ils vont se tromper de la raison en plus. Bah dans le fort, on est en train de rechercher Crisée partout dans le fort. Et bah à ce moment-là, du coup, Jocaste arrive, puisque Calixen est déjà dedans. Actimine est déjà là aussi. Alors, Actimine, bah elle est comme vous, hein, il y a quand même une sacrée prise de guerre qui a disparu là. C'est une menace importante qui a disparu et où. Ceci étant, vu la menace qu'il y a à gérer à l'est, la réunion s'impose. Et bien entendu, on vous propose de. Alors, je ne sais pas quelle dimension ça a, la zone de vérité. La zone de vérité, le sort. Oui. Bug. Je me dis ça aussi. Une sphère de 4,50 m de rayon. D'accord. Eh bien, ça tombe bien que vous soyez pas trop nombreux, puisque on va vous proposer de venir à l'intérieur de cette zone de vérité. Et dans une pièce la plus petite possible, histoire que ça puisse tenir dans les 4,50 m. Et j'aurais demandé à Sylvia aussi de venir pour être la parole des filles. Ok. Et du coup, vous allez être amené dans une salle. Val, t'y vas aussi? Après avoir fait. Ah, ou quoi que ce soit, ça va peut-être te prendre un petit peu de temps quand même de d'examiner Ça tous les dépend de ce coffres. qu'on me dit. Ouais, à ce moment-là, je serai peut-être pas tout de suite. Ouais, pas de souci. Du coup, vous êtes un petit peu serré dans cette petite pièce entre personnes qui ne s'apprécient pas tous forcément. Petite parenthèse sur Jocasta, bien entendu. Oui, j'ai bien compris. Et vous allez avoir une zone de vérité qui va être mise en place. Du coup, le préambule, c'est de dire que elle est en place parce que il se pourrait que Crisée soit dans le coin. Et que, bien entendu, assez régulièrement, on va poser la question pour être sûr qu'elle ne soit pas là. D'où l'intérêt de la zone de vérité. Même si elle sera pas obligée de répondre, mais bon. Au moins, peut-être qu'on sentira quelque chose. Et eh bien, en tant que gouverneur, ça sera à toi de dire ce qu'il en est, même si je pense que Ilana est avec toi aussi, je pense. Oui. La situation est grave. Nous avons eu plusieurs rapports qui indiquent une invasion de la Horde Blanche provenant du sud, massive. Et il semblerait que les individus qui foulent les terres ne soient pas des êtres vivants. Calixen et Jocasta se regardent un bref instant. Jocasta, du coup, nous avons reçu une missive désespérée venant de la Légion Kelvin. Il semblerait qu'elle ait été dévastée par justement quelque chose qu'ils n'ont pu contenir. Je pense que votre message corrobore.
ce que nous avons reçu et que la menace est d'importance massive. C'est pour cette raison, malgré la situation quelque peu compliquée entre nous, et elle continue de regarder avec insistance Calixten comme si c'était à Calixten qu'elle devait quelque chose et pas à vous. Je vous informe que nos légions vont se battre à vos côtés. Mais où irez-vous vous battre? Avec vos fées? Je vais me battre aux côtés de la Légion et des fées. Nous allons combattre ensemble comme un seul et même peuple. Car aujourd'hui, je vous rappelle que dorénavant, nous ne formons plus qu'un seul peuple. Certes, ceci étant, malgré votre ambition pour tout ça, je dois quand même rappeler que l'étendue est vaste et que les zones, les points de contrôle à maîtriser sont nombreux. C'est pour cette raison que certes, j'enverrai un petit contingent avec vous à l'arbre des fées pour vous y aider. Et je dis... M'en avez-vous entendu parler? Hein? Comment en avez-vous entendu parler? De quoi? Parce que je l'ai pas donné cette info comme quoi j'ai besoin d'hommes là-bas. Encore. Eh bien, tout simplement. J'ai quelques informateurs dans le coin aussi. Mais bref, c'est le travail de toute légion d'envoyer des éclaireurs de part et d'autre afin de se renseigner sur ce qu'il se passe sur un terrain dit de guerre. Très bien, mais ces hommes ne devront pas, devront être sous mon commandement. Vous avez beau être gouverneur, ces hommes sont sous le commandement de moi-même et de l'empereur. Certes, vous avez raison. Mais le terrain sur lequel nous serons est un terrain sensible et ils devront respecter certaines règles. Très bien, mais hors de question de leur demander de se battre pieds nus. Tu vois qu'elle ricane un petit peu. Moi, je rigole pas du tout. Bref, elle redevient sérieuse. Très bien. Je pense que nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pour cette raison que je ne pense pas que cette réunion ait un intérêt de rester... d'être plus longue. Faisons... brûler les cimetières et les morts avant que cette horde ne leur monte, n'arrive. Ah, mais ça avec plaisir. Il faut également protéger Paradios et le fort et ses environs. Sauf que nous sommes malvenus à Paradios, il semblerait. Donc je ne sais pas comment vous comptez faire. Eh bien, dans ces cas-là, on les laisse se défendre tout seul. Je vais aller leur parler avec quelques hommes de la Légion. Très bien. Faites. Calixten vous mettra ce qu'il faut à disposition. En ce qui me concerne, et pour éviter d'être un petit peu trop encombrante, je compte défendre la partie sud-ouest de la zone. Celle où, vous savez, vous avez un ami
quelque peu agressif par moment. Hélas. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Il pourra vous aider dans cette dans ce combat. Oui, bien sûr. Bon, aucun doute. Nous le mettrons en première ligne si ça le chante. Je suis sûr qu'il s'en sera ravi. Mais grand bien nous fasse. Bon. Mesdames, messieurs. Et faites attention à vos hommes qui tombent au combat. J'ai l'impression que la disparition de Crisée et cette invasion massive peuvent être liées, mais je ne sais pas encore comment. Eh bien, je vous incite, cher Anar, vous qui avez l'air d'être assez antipathique vis-à-vis de certaines légions, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller affronter une légion au nord-est, si ça vous chante, puisque si la légion Calvin s'est fait dévaster, j'imagine que vous allez pouvoir tuer du légionnaire. Tu vois Bref, que... il est arrivé ou pas? Pas encore. Ça va venir. Tu peux arriver à ce moment-là? Enfin, je sais pas. Oui, tu peux arriver à ce Non, mais c'est moment-là, pour oui. ça que je demande à toi, Claude. Oui, tu peux arriver à ce moment-là. Tu rentres dans une zone de vérité, là. Ouais. Tu vois D'ailleurs, qu'il lève les yeux en tiens. disant... Jocasta, elle dit un petit peu trop les vérités, d'ailleurs, mais... Je ne suis pas antipathique envers la Légion, juste envers vous. Ah. Bah, je vois qu'ils ont commencé les immobilités. Bonjour Vald. Alors, prêt pour le combat? Bonjour, Jocasta. Il semblerait que vous allez être... Prêt à défendre, surtout. Ah, très bien. Vous aimez les fées aussi, vous? Sans doute plus que vous. Ouais, certainement. On va pas se mentir. Et On ne peut pas. allez-vous défendre les fées ou votre petit village de Paradios? Il fait partie de l'Empire maintenant. Qui fait partie de l'Empire, oui, certes. Eh bien, il me paraît assez... Il me paraît assez évident qu'il faut protéger tous les endroits à protéger. Très bien. Très bien, très bien. Je vous souhaite bon courage pour y arriver. Nous allons effectivement envoyer pas mal de contingents sur toute la ligne de front, y compris avec vous, avec certains légionnaires de Calixène pour Paradios et certains légionnaires pour vous aider au niveau de l'arbre mille bourgeons. Sur ce, non pas que je ne vous aime pas, même si c'est le cas, mais je souhaiterais quitter cette réunion. Vous êtes libre de vous en aller, nous pourrons poursuivre avec les autres si vous le souhaitez. Notamment avec Silvia. Par rapport aux filles, elle n'a pas beaucoup parlé. Non, et je la remercie d'ailleurs. Bonne journée à vous. Et tu vois que Jocasta part comme une flèche. Visiblement, cette zone de Vois vérité que. lui a pas fait du bien. Tu vois que je suis resté un peu stoïque, quoi. Enfin. Ça m'a figé, ce qu'elle a dit ça. Eh ben, on perd pas, évidemment, celle-là. Désolé, Sylvia. Désolé, Ctiméné. Désolé, Calixène. Et excusez-moi, Vlad. Oh, pas de problème. Pourquoi une zone de vérité ici, au fait? Il pensait que Ctiméné était présente, pouvait Non, être présent dans la non, salle. non, crisez, crisez. Crisez, pardon, crisez. Dans la salle. D'ailleurs, je pense que quand tu vas rentrer, que tu vas fermer la porte, on va dire est-ce que tu es là, crisez? Et tout le monde va faire silence pour écouter, pour voir si vous percevez quelque chose, une présence ou autre.
Et une fois Bon, que ça tu... m'aurait étonné que ça marche, mais c'est pas une mauvaise idée, quoi. Voilà. Et une fois que tu vas être que Jocasta va sortir, ils vont faire exactement la même chose pour être pour essayer que des informations malencontreuses tombent dans les oreilles de Crisée. Bien, il semblerait que du coup c'est Ectimini qui va te dire Anna. Il semblerait que vos négociations avec Jocasta ont porté leurs fruits. Je ne pensais pas que les choses puissent se passer aussi bien. La situation l'exige, timide. Il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin, hein, chacun de son côté. Oui, il va falloir surtout mettre des cendres sur le territoire. Suis pas sûr. Enfin, et tu vois qu'il dit ça en regardant Sylvia. C'est vrai que la nature peut repousser parmi les cendres, mais si on peut éviter, ça serait pas mal. Non, quand je disais ça, je parlais non pas des forêts, mais des corps qui se relèvent. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on puisse les éventuels cadavres enterrés ou en sépulture avant que la horde n'arrive. Du côté de Sylvia, ce qu'elle va dire, c'est, puisque du coup elle a un petit peu de nouvelles sur la stratégie prévue par les fées, c'est qu'exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, ils vont développer des zones de piège pour les zombies, en rapport avec le feu, entre autres. Qui demande un effort considérable pour le penser de la part des fées. Mais ils vont effectivement mettre des petits pièges comme ça, un petit peu, pas partout, hein, parce qu'on va pas exagérer, mais à quelques endroits stratégiques pour en cramer quelques-uns. Quelques-uns un maximum. Parce que quand on fait ce genre de sacrifice chez les fées, c'est pour en faire un maximum. Par contre, ce qui est prévu, c'est au niveau de l'arbre aux mille bourgeons, c'est tout simplement une défense de fer et prêt à relever tous les défis. C'est pour cette raison que vous y êtes demandé. Je m'y rendrai dès que possible. Je finis cette réunion et je prépare mes affaires pour m'y rendre. Moi, ce que je voudrais faire, c'est proposer, c'est déjà rapidement. Je ne sais pas si ça a été fait, aller inspecter la cellule de Crisée, les vêtements qu'elle a laissés pour inspecter, essayer de faire une détection de la magie, voir si je repère quelque chose. Bon, j'imagine que là, tu me diras les fuckmis tout à l'heure, MJ. Voilà, c'est ça. Et je préviens qu'à ce moment-là, moi, je veux, avant qu'on parte, parce que déjà, il faudrait qu'on se décide. On va partir où? L'arbre aux mille bourgeons, au berceau. En passant par Paradios pour les avertir, les prévenir qu'une partie de la Légion assurera leur sécurité. Parce que attends, Et que si la nous Légion devrons... Calvin, si la Légion Calvin est à l'est, là, c'est où? Paradios, c'est... C'est dans la région où on est. Oui. C'est D'accord. à 4 heures de marche, enfin 4 heures de cheval, quoi, à peu près. Et également les avertir de qu'au vu de la menace qui s'approche, nous devons brûler les morts qui sont enterrés ou en sépulture dans la ville. L'arbre aux mille bourgeons, vous le voyez, hein, il est en plein dans le carré là. C'est, du coup, c'est pas le berceau en fait. Non, le Ah oui, c'est... berceau. Quoi que je me demande si c'est pas le berceau, ça. Non, le berceau, je crois que c'est celui-là. Le berceau, il est là. Oui. Oui, je pensais que tu parlais du berceau, mais en fait, non, l'arbre des mille bourgeons, c'est okay, c'est dans le territoire Parce des fées, que en fait.
Si la Légion Calvin s'est fait attaquer, vu là où on est, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aller au berceau plutôt que s'arrêter à l'arbre aux mille bourgeons? Parce qu'ils vont traverser le berceau. Et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de laisser la Légion, surtout s'il y a une crise dans la nature, avoir un accès à un berceau. Parce qu'il me semble que Crisée, alors je sais plus exactement quel lien il y avait, mais il me semble qu'elle bossait avec la Horde de Blanche. D'ailleurs, ça me paraît une grosse coïncidence, une beaucoup trop grosse coïncidence qui se passe en ce moment. C'est ce que je me suis dit aussi. Effectivement, le berceau doit être protégé également. Non, parce que qu'il y ait des hommes qui protègent l'arbre aux mille bourgeons, c'est une chose, mais de toute façon, le gros, s'ils viennent de l'Est, ils devront passer à l'arbre par le berceau, donc j'imagine autant défendre le berceau et l'arbre aux mille bourgeons le sera du coup. Au moins du gros de la force qui a dérouté la Légion Calvin. Dans l'idée, Claude, du... vous pouvez le penser, malgré tout, les fées, elles, défendront l'arbre mille bourgeons, puisque clairement, c'est leur bien le plus précieux à eux. Mais bien évidemment que défendre le berceau est aussi une priorité. En fait, ce genre de zones sont tous des priorités maintenant. Donc si vous voulez y aller, effectivement, ça peut être bien d'éviter que cette zone qui peut permettre la régénération de tant de choses puisse être sauvée de la contamination. Tu dis Oui, ça, parce tu parles que... de l'arbre aux mille bourgeons ou du berceau? Berceau. Du berceau, oui. Ouais. Parce que moi je pensais que c'était la même chose, mais en fait pas du tout. Non. Et du coup, par rapport au message que je t'ai envoyé le 4, que je t'ai renvoyé aujourd'hui, du coup, ils sont repartis ou ils sont encore là? Non, ils sont encore là, donc qu'est-ce que tu veux leur demander? Enfin, tu Protéger le veux... berceau. D'accord. Ah. Que bon, faut que ça soit discret quand même. Ouais, je comprends. Ok. Il faut juste que je vois ce que j'ai envoyé, mais ok. Question, qui vous prenez au fort pour vous assister? Alors attends, je vais Ok. voir. Parce que vous êtes deux. Je vais essayer de retrouver l'endroit où vous avez... Voilà, c'est ça. L'endroit où vous avez l'ensemble des combattants qu'il y a. Historiquement sur la table, il y en a une qu'il faut que je mette une croix puisque Ursa est morte. Le Bretin, je sais plus, je crois que tu l'as envoyé, tu l'as envoyé chez les fées, donc elle va être occupée. Je crois que c'est tout. Le reste est à disposition dans le camp. Donc est-ce que vous y allez que tous les deux, avec ce que tu as possiblement comme renfort, ou est-ce que... Qu'en penses-tu, Vald? T'es envoyé où, t'as dit? Berceau avec vous pour combattre. Moi, je pense que tout en prévoyant des hommes
à laisser à l'arbre aux mille bourgeons tout de même, parce que ça reste une zone de défense et on n'est pas à l'abri que des troupes viennent du sud. Mais je pense qu'il faudrait principalement qu'on mette le gros de nos forces au berceau, parce que c'est là où il y aurait le gros de leurs forces, vu que c'est de là que la Légion Kelvin s'est fait dérouter. Parce que ça m'étonnerait, qu'il y ait plus de forces qui viennent du sud, sauf s'ils reculent et qu'ils font un tour, mais là, à ce moment-là, on aura largement le temps de voir. Mais ça me paraît très gros. S'ils avaient autant de force que ça fait longtemps qu'ils nous auraient envahis. Et ça se demandait pourquoi ils n'ont pas attaqué plus tôt. Voilà, pour résumer, ma position, c'est qu'on se place au berceau. Oui, non, mais très clairement, je suis d'accord avec toi, mais Qui vous prenez, quoi? c'est ça. La question, c'est quel PNJ on prend avec nous, en sachant que faut pas. Moi, je serais d'avis que les habits d'Ena. Moi, je serais d'avis que l'Ordre Rouge protège le fort, les amis d'Ena plutôt Paradios, Ouais, ils sont bien vus, donc ça tombe bien. et la guilde du Gobelin Libéré plutôt avec nous. Ok. Ok. Pas mal. D'accord. D'accord. Pas mal de Ça me roublards paraît avec pas vous. mal. Ouais. J'avoue que je m'y attendais pas à cette. Bah je pense que tu vas aller le voir à la suite du coup pour lui annoncer. Oui, tout à fait. Alors, du côté de l'Ordre Rouge, je pense que vous allez laisser Lana avec eux. Peut-être. Oui, tout à fait. Oui, non, lui. Comme ça va équilibrer. Et les amis d'Ena de leur côté vont bien sûr accepter et en fait les quatre vont accepter et Silly va être content parce qu'il va enfin pouvoir partir du fort, lui qui aime bien voir de nouveaux horizons. On est d'accord que j'avais quand même mis en place cette histoire de service militaire parmi les jeunes pour les former aux arts martiaux. Oui. Et ainsi que la construction d'une tour, hein, on est d'accord que. Oui. Ce qui va évidemment avoir un impact sur ce qui va se passer. Entendu. Non, mais c'est pour ça que je voulais le rappeler quand même sur. Même si l'entraînement a été court, mais aussi court soit-il, il sera quand même utile. Oui. Après, oh, pardon, vas-y, finis. Non, non, mais c'est pas grave. Je Vas-y. parle après. Parce que. Vas-y, Vas-y, dis, je parle après. non, oui, j'allais dire du côté de Guili, l'idée ça va être justement de se battre avec bravoure avec l'ensemble des gobelins libérés, pas seulement sa guilde, mais également les gobelins du territoire que vous avez à quelque part aussi sauvés de par les Oui. monteurs d'araignées. Qui justement, voyant que Guili sera dans le coin, seront certainement plus féroces et communiqueront mieux avec vous, qui seront qui serez au berceau.
Je vais également solliciter l'aide, alors je me souviens plus comment il s'appelle, les géants qui sont qui gèrent le pont. Ah oui, les trolls. Ah oui. Les trolls, voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Bon. Et je t'ai envoyé un message en privé, Ah merde, pardon. sur Discord. Mais je pense qu'avec les trolls, les gobelins et une partie de la Légion, on devrait pouvoir s'en sortir un peu, je pense. Et du coup, Eval, du coup, va parler d'autre chose, mais alors, j'ai feuilleté les rapports et je me demandais, j'allais dire deux choses, mais j'ai oublié la deuxième. Pardon. Bon. Dis la première déjà. Ça me reviendra. Ah, ça y est, c'est bon. La première. Je vois qu'un autre de vos collègues là, avec qui vous avez bataillé au Noxian, Berzingle, c'est ça? Oui. Milicien qui a rejoint l'Ordre Rouge et qui a sa propre équipe, avait récupéré un fort avec des prisonniers et qui l'a réaménagé. Fait. Je ne sais pas exactement où il se trouve par rapport à tout ça, mais peut-être demander de l'aide de ce côté-là, non? Il me semblait qu'il était reparti vers le nord quand on l'a quitté, mais Oui, lui, mais le fort. ah, je pense qu'ils seront en première ligne malheureusement de cette invasion. Pour ça, je n'ai fait que lire le rapport, je n'ai pas vraiment vu où il était placé par rapport à ça, donc ça doit être vérifié. Nous allons envoyer effectivement un message. Bah, en fait, tu auras reçu aussi. C'est une bonne question, donc c'est bien que tu en parles. Vous aurez ici un message de Jindo vous disant que bah, il est au courant de l'attaque qui va arriver et que le fort se tient prêt à affronter l'invasion. Donc bien entendu, ils n'envoient pas d'aide aux autres, puisque ils ont déjà, ils sont peu, et tenir le fort, ça sera déjà une sacrée mission pour eux. Mais ils vont faire ce qu'ils peuvent pour, que ceux qui peuvent pour te tenir le plus longtemps possible. Bien sûr. Parce que Jindo est au fort. Très bien. L'autre point qui m'est venu en me souvenant de ce que j'ai parcouru des rapports, il me semble que vous étiez allié à un village de Gonaud. Non. Ah. Il n'y avait qu'une seule Guenaud, et lorsque nous étions du côté de Noxian, il y avait deux autres Guenaud qui étaient de passage, mais. Alors là, le joueur ne s'en souvient plus qu'il se mettait associé à un village de Guenaud, mais je me souviens qu'il y avait effectivement trois Guenaud qui étaient de passage et qui nous ont prêté leur assistance. Alors oui, et je pense que c'est normal que Eriu sache plus trop, parce qu'en fait, c'est une alliance amoureuse qui permet une alliance militaire. Voilà. Oui, mais il y avait bien un village de Gonaud. Mais il y avait bien un village de Guenaud qui est effectivement allié avec le fort de Noxian par relation amoureuse. Ah, c'était avec le fort de Noxian. Okay. Mais après, par contre, il nous avait vraiment aidé lorsqu'on a attaqué, parce que nous, on était passé par, on va dire, l'entrée de service, pour être discret. Mais c'est le village de Gonaud, je sais plus quelle autre alliance on avait fait. Faisait diversion à l'entrée principale. Oui, je crois qu'il y avait une autre armée. Il y avait les hommes à l'éléphant, je crois. Oui, Les hommes. il y avait ça aussi. L'Oxodon.
Il y avait des loxodons. Oui, vous aviez des loxodons à Noxian aussi qui étaient là. Mais je pense que c'était pas eux que tu pensais. Il y avait dans le village, il y avait une confrontation au début entre des guenaudes et d'autres créatures. Je sais plus si c'est des demi-ogres ou autre chose, je sais plus. Mais effectivement, eux aussi, Bon, bref. Et du coup, Par contre, non, c'était des Val trolls. dans. C'était des trolls. C'était des parents aux trois autres trolls, pardon. On a fait des trolls. Par contre, Vald, avec votre question, vous me faites rappeler une chose, c'est que nous devons condamner Noxian. Comment ça? Ah oui. Il y a un objet sur place que les morts-vivants ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte trouver. On peut revoir la carte, Claude, s'il te plaît. Plaisir. Alors, toute la région, je sais pas. La région où tu veux toute la Bah, région? là où il y avait la main. C'est pour voir en fait où est le. C'est pour repérer où est l'onction par rapport au berceau. Attends, je vais virer déjà voilà, le token de la main. Parce que normalement, vous l'avez là. Le berceau, il est juste en dessous. Bon, bref, je vais essayer de trouver la carte. Je vais regarder laquelle carte. Il me semble que non, je vous avais donné une carte, effectivement. Ah bah tiens, je suis proche. Tiens, je passe là, ça tombe bien, c'était des... Des guenaudes vertes. Le village s'appelait Motion, celui des guenaudes. Et c'est l'autre village, c'était des trolls et des hommes lézards. Et ça s'appelait les Bourberons. Yep. Du coup, quand j'aurai eu le rapport de Jindo sur le fort de Trollmac, c'est un rapport qu'on a eu de quelle manière? Comme par... Attends, parce que comme par hasard, au moment que tu me dis ça, je trouve la map. Je vérifie quand même parce que j'en ai deux. Laquelle qui vaut mieux? Bah, celle-là, c'est celle que vous aviez avant. Je vais vous mettre sur celle-là. Ça vous donne un petit indice de plus. Vous
avez les boîtes de l'absence. Je réponds à ta question après, du coup. Les boîtes de l'absence. Du coup, la... Hop. Non, mais non, c'est justement ce que je veux. Vous avez la forêt qui est ici, avec un petit peu plus loin votre cher ami. Je crois que tu es en couche, MJ. Ah, c'est pour ça que voilà. Mais je suis en train de voir que j'ai mis un tas de notes aussi, ça m'embarrasse un peu. C'est mes notes qui m'embarrassent plus que le raisonnement. Le Thénos, c'est le sanglant. Ah, j'étais en train de me gourer. Ah, le Thénos, c'est le sanglant. Ah, d'accord, ok. Bon, j'allais dire des conneries du coup. Il faudrait que je vous mette sur deux maps en même temps. Sinon, tu les envoies en RC la main. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, parce que là je voyais pas comment j'allais vous expliquer un truc pareil. Normalement, ce qu'il faut suivre, c'est le Thénos et le Sanglant, puisque vous êtes le fort de la main est au bout du Thénos, mais le berceau est sur le chemin du Sanglant. D'accord, en fait, on est au-dessus. Là où j'allais dire une connerie, où vous étiez à droite, mais non, vous êtes... D'accord, donc ça veut dire que ici, c'est, si je me trompe pas, c'est Paradios. Non, ta radio, c'est plus haut. Non, non. Paradios, c'est à peine 2 jours de votre C'est fort. au-dessus du fort? Non, non, c'est juste à côté du fort. Attends, je te remonte. Que je vais pas réussir à avoir mon image, moi. Mais c'est-à-dire qu'en Paradios, fait, on est beaucoup plus haut, en fait. Paradios est là. Ah oui, donc en fait, oui, la map qu'on a vue, elle est en dessous de celle-là, en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord, Le ok. berceau est là. Oui, j'ai tenté de me figurer. Le fort est là. Ah ouais, donc on est vraiment au-dessus de Noxion, en fait. Tout à fait. Bah, j'ai envie de te dire, c'est le même combat, hein. C'est... Non, je fais appeler les fêlés. Ah oui, parce que là, c'est les morts-vivants. Où tu... Oui, parce que c'est vrai que j'avais oublié dans ma logique que je prenais compte que l'Horde Blanche. C'est vrai que j'ai oublié les morts-vivants. Que ça perd un peu n'importe où, ça. Bah, en vrai, Alnar, si t'as des trucs à faire, Vald va te faire confiance pour gérer ce qu'il va faire. Il va te dire, moi, je vais m'occuper, parce que j'imagine, la main, elle doit voir son cimetière. Son... Le fort, le fort, il doit y avoir un cimetière ou un... Putain, comment ça s'appelle? Un tolos, non? De fortune installée. Alors, Possible. pour l'instant, il n'y a pas. Alors, pour l'instant, au fort de la main, il n'y en a pas d'installé. Enfin, Hein? pas. J'ai mal sorti mes mots. Il y en a un d'installé, mais pas occupé. Voilà. D'accord. Mais Et les morts qu'on a, ils sont mis où? bah, on pour n'a pas l'instant, eu il y en tant a. que ça, en fait. Voilà, c'est ça.
Mais pas tant que ça en fait quelques-uns quand même. Bah, les seuls qu'on avait ont été brûlés parce que Seulement au fort de la main, il n'y a pas de mort. D'accord. Bah, je En crois revanche, du côté de Paradios, il doit y en avoir. Alors du coup c'était vous aviez résolu c'était tout le problème de d'une de vos batailles puisque les habitants de Paradios voulaient garder leur cimetière et la Légion voulait absolument des Tholos. Bah là, ça va être ni l'un ni l'autre Mais pour du l'instant. coup bah, même vous aviez résolu le problème en cramant tout le monde du coup puisqu'il y a eu pas mal de boules de feu venant de je ne sais qui ont été lancées pour régler le problème des morts-vivants. Parce que je vois clair, et s'il y a d'autres clairs, peut-être, j'ai un sort doux repos qui permet justement de permettre qu'un cadavre de protéger un cadavre de la décomposition et de la transformation en mort-vivant. Ce serait une solution de fortune, mais je peux faire ça. Et je peux le faire en rituel. Dans ces cas-là, pars de ce pas du à Paradios. Tu seras plus utile là-bas. C'est ce Au que je me dis, parce fort. que brûler les cadavres, ça prendra pense. Il faudra également les en avertir et que la Paradios commence à se préparer, si tu peux commencer à y aller. J'y vais de ce pas, et je te laisse faire les préparatifs. Très bien, je te retrouve à Paradios. Ok. Et moi, bah du coup, je m'y rends, ce pas. Ok, ça te demandera une petite journée. Ah non, tu vas à cheval, j'imagine. Ah Oui, on bah avait oui, de tant nombreux qu'à voitures. faire. Oui, donc normalement, c'est une demi-journée de ton côté, Anar, du coup. Du coup, comme j'ai fait appeler Néphélé, je lui demande qu'elle envoie un message à Jindo. Ouais. En lui disant de abandonner le fort et se réfugier dans Noxian pour protéger le prisme. Il ne doit en aucun cas, enfin je le dis à Néphélé, hein, après elle enverra le message, mais l'idée c'est que je leur demande de se mettre au sein de Noxian et de sceller plus ou moins les portes de la manière dont il veut. Et de faire en sorte de manière à protéger au maximum l'artefact. Ok. En effet, Léka a été quand même bien au courant de ce qui s'est passé avec l'histoire du prisme. Du coup, elle va tout de suite envoyer le message. Et assez rapidement, tu fais un retour de message de Jindo. Te disant très bien. Nous les y rendons de ce pas avec le soutien des Bourbonnais et des Motianais. Ok, donc ça c'est fait. Il y avait un fort à Amelot, à côté d'Amelot, non? Oui, mais oui, il y avait un fort, oui. Qui est vidé, hein, je présume. Qui a été vidé, mais qui est. Vous avez eu aussi des nouvelles de ce côté-là aussi quand même, faut pas exagérer. On vous a dit que ça a été réhabilité par Circa. Celle qui s'occupait de l'avant-poste là-bas. Et que ça a été réinvesti par l'Ordre Rouge partiellement, puisque bien entendu l'Empire a voulu aussi avoir quelques petites prises. Mine de rien,
L'Empire n'en a pas trop demandé, mais c'est déjà trop par rapport à leur attitude depuis le début, mais bref. Donc de leur côté, ce fort-là a été repris en petite partie par l'Ordre Rouge et en grande partie par l'Empire, donc par les légionnaires. Et On est d'accord que sur le nord, on avait trouvé des goules. Le fort de Piémont. Oui, non, c'est à Épistéa. Épistéa, je crois qu'il y avait des morts-vivants quand il y avait été, non? Ou c'était vide, je sais plus. Il y avait des morts vivants. Alors, j'ai la carte sous les yeux. Je vais peut-être vous mettre dessus, d'ailleurs, parce que... Parce que je me rends compte que j'ai du mal à parler ce soir. C'est mieux avec une carte. Tu as le fort de Piamont qui se trouve juste là, que vous aviez vidé. Tu avais Oui. trouvé un camp de morts-vivants par là. Ah non, ruine de Tal, pardon, là, ici. Ok. T'en Que avais j'ai dessiné, trouvé. qu'on a dessiné du coup. Ouais, vous aviez aussi trouvé aux ruines de Palatian. Ok. Il me semble que tu en avais aussi trouvé au temple perdu un petit peu aussi. Gouffre plaintif, il s'est passé autre chose. Bref. T'as perdu un collègue. Et ici, t'avais un campement du démon des hyènes qui, lui, a été repris par la Légion. Une partie, d'ailleurs, de la Légion dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'est fait dévaster. Il y a une partie qui est là. Oui, d'ailleurs, il y a. Enfin, le camp des hyènes, j'en avais fait un sanctuaire pour fées, hein, normalement. Ah ouais? Eh ben ok, t'en as fait un sanctuaire des fées, donc c'est un sanctuaire, c'est des fées qui sont là. J'avais oublié. Bon bref. Ok. Et c'était justement les premières choses, que je faisais dans la région pour faire. Par rapport aux fées. Oui, non mais c'est Pour les important. protéger contre le truc, quand même. Parce que effectivement. Dans l'idée de cette invasion, au vu de comment se positionne le camp des hyènes, vous comprenez assez vite que y compris le nord, du côté de Hamelotte, ça va prendre cher aussi. Donc ils ont plutôt intérêt à Et se battre. ouais. Et donc du coup je fais envoyer un message, enfin un message à Circa du coup. Ouais. Même si elle est déjà au courant, mais en précisant qu'il y a une invasion massive de morts-vivants au sud, et qu'il faut qu'elle fasse attention du côté d'Épistéa qui était infesté de morts-vivants lors de notre venue. Pour éviter que ça prenne des deux côtés. Et elle de te dire de son côté, et ça recommence. Alors ça, l'effet qu'elle le dit, mais après. Oui. Mais tu auras comme réponse que Circa te dira, et ça recommence. Mais cette fois-ci, nous avons deux légions que nous n'avions pas avant. Ah non, il n'y avait aucune légion à l'époque. Oui, c'est vrai que. Et du coup, si Calixane est encore dans les parages, je l'en informe, ainsi qu'Actiménée, que Épistéa avait été, il y a quelque temps, infesté de morts-vivants, et pour éviter d'être pris en sandwich, d'être pris entre l'enclume et le marteau. Peut-être envoyer des hommes protégés de Nord, au cas où. Qu'en pensez-vous? Très bien, nous allons faire effectivement, ça me semble tout à fait opportun.
Très bien. Voyez-vous d'autres préparatifs que j'aurais oublié? Ah oui, peut-être protéger les enfants et les femmes, enfin les personnes ne pouvant pas se défendre au fort. Ça serait une bonne idée. Tu dis vraiment les femmes? Non, je dis les enfants. Non, justement, je dis les enfants et les personnes ne pouvant pas se défendre. Parce que je me suis dit, si tu dis à Calixten en face, ce serait bien de mettre à l'abri les femmes et les enfants, je pense que Calixten va mal les prendre. Je sais pas pourquoi. Non, non, c'était pas ça, c'était les personnes justement qui Ok. ils sont pas en âge de se battre et qui ne peuvent pas se défendre. Et où ne peuvent pas se défendre. Ok, très bien. Nous ferons ça. Très bien. De mon côté, je vais pas tarder à y aller pour avertir Paradios afin qu'il puisse transmettre des vivres au fort pour pouvoir stocker le plus possible de quoi vivre. Et je m'en vais au berceau. Combien d'hommes pouvez-vous mandater pour la défense de Paradios et pour la défense du berceau? 50 pour chaque. Très bien. Dites-leur que nous partons dans 1 heure, le temps que je réunisse mes affaires. Ok. Et essayez d'enquêter sur ce qui s'est passé avec Crisée, si vous le pouvez. Et je le dis en regardant Ctiméné. Ben en fait, Et d'ailleurs, je. tu Moi, je verras t'écoute. que Kimini de son côté, voyant que vous prenez à bras le corps cette dimension guerre avec les morts-vivants à cœur et que vous avez totalement raison de le faire, elle te prendra, je pense, quand elle le pourra, pour te dire que de son côté, elle va enquêter avec ceux que tu auras laissés au fort pour savoir où est partie Crisée, ce qu'il s'est passé et où elle a bien pu partir. Et du coup, je me rapprocherai d'elle, je lui toucherai son ventre et je lui murmurerai prenez soin de vous et ne prenez pas de risques inconsidérés. Valt, maintenant que tu es un petit peu parti, est-ce que tu peux me faire un jet de perception? D'accord. Je le fais dans quel contexte? La vue. Je pensais je le fais où? Sur le chemin ou une fois à Paradios? Sur le chemin. Ok. Je le vérifie parce que je me souviens plus vraiment des objets que j'ai avec ce personnage-là. Tac, tac. Ouais, j'ai avantage grâce au bouclier sentinelle. Clairement observé. T'as l'impression que quelqu'un te suit au loin. Une présence féminine. Une présence quoi? Une présence plutôt féminine. Disons que tu vois au loin. Mais au loin. Pas clairement. Comme s'il y avait un chemin dans la forêt un petit peu similaire au tien. Qui permettrait à quelqu'un de pouvoir te suivre à travers les arbres, mais assez loin. Et c'est assez troublant. Mais très clairement, tu ressens une présence, une observation d'une personne plutôt du sexe féminin. Ok.
Est-ce que Oui. j'ai une idée de la direction dans laquelle elle est? Ben, si tu prends la direction de Paradio, ça prend aussi la direction de Paradio. Non, mais elle, la présence, je sais où elle est. Ouais, là au-dessus de Après. toi, ouais, elle est très, enfin, très loin. J'ai du mal à me faire une idée de comment ça peut être en forêt. Mais 100 mètres, je trouve que c'est... Non, 100 mètres, ça peut encore aller, je pense. On va dire ça comme ça. Donc, bah, ce que va faire Val, d'une manière pas du tout discrète, c'est bifurquer et se diriger droit vers elle. Tu prends la direction pour trouver cette personne qui semble tout d'un coup bifurquée mais moins que toi. Et alors que vous étiez un petit peu entouré d'arbres, alors qu'elle passe un moment où y a un arbre justement, tu t'attendais à voir sa silhouette débouler de l'autre côté de l'arbre et finalement plus rien. Je prends un temps pour casser cette détection de la magie. Ah, c'est quoi le rayon de détection de la magie? C'est pas 9 mètres? 9 mètres. Ouais, donc tu vas sur l'endroit du coup. Oui. Tu détectes une magie profane. Largement profane. De quelle école? S'il y a une école. Non, il n'y a pas d'école. Pas une école que tu puisses détecter. Ok, c'est pas de l'évocation, transmutation ou ce genre d'école là. Attends, 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 attends. Dans les écoles quand même. Attends, 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 attends. Je crois qu'il y en a une que tu peux détecter. Je me fasse un petit rappel des écoles quand parce que même si c'est un petit peu profane, tu sens quelque chose. Allez. On est bien d'accord que la magie céleste, c'est la magie de divination. C'est l'école de divination. Non, en fait, la magie céleste, c'est juste la méthode de... La magie divine, c'est la méthode de lancer le sort, normalement, la divination, c'est la divination. Donc bien Ils peuvent sûr. lancer des sorts d'évocation, éventuellement. Donc non, oui, effectivement. Je pensais que ça aurait été une école. Dans ce cas-là, j'aurais pu te dire oui, mais non. Du coup. Ah, c'est une capacité qu'elle a utilisée et c'est pas OK. Ok, très bien. Bah, du coup, je reprends le chemin et je me dirige à Paradios. Ok. Malgré tout, Et moi, du coup, juste avant de partir, j'aurais été voir Néphélé pour essayer de passer un moment avant que je parte, juste pour lui dire au revoir. oui, juste pour lui dire au Et revoir. voilà. C'est ça. Et après, je partirai pour Paradios, effectivement, avec les hommes à ma disposition. Ok, très bien. Fais-moi tirer un petit jet de perception. Ce sera pas pour tout de suite parce qu'il y a un petit moment avant que tu le ressentes, mais... Ok, j'ai le droit avec avantage avec Daphné ou je lui fais un jeu pour Daphné Je aussi? lui fais avec avantage. Alors, perception. Ouf, je suis en forme ce soir.
Ouais, mais c'est quand même assez subtil, d'où le 20 était très utile pour Vald. Toi, t'es à 14, t'es un petit peu plus bas. Tu ressens une présence, simplement. Une présence qui te suit. Okay. Dans ces cas-là, je demande à Daphné de se rendre invisible. Ouais. Et télépathiquement, je lui dis prendre la distance et essayer de repérer qui nous espionne. Elle donc de son côté qui un petit peu appris à sentir le mal comme il l'était avec Kaleria entre autres. Pas Kaleria, si c'était comment elle s'appelait déjà la petite fée maléfique là. Ah oh oui, putain, j'ai plus son nom. Mais ouais, comme Mais c'était je vois. voilà. Elle te dit que ça ressemble beaucoup à cette fée maléfique, cette présence. Pourtant, elle est morte, elle a été bannie. Enfin, elle a été Ouais. envoyée dans un autre monde. Très étrange, très étrange. J'aime pas ça. Reste sur les gardes et si tu repères quelque chose, préviens-moi. Il reste invisible. Ok. D'ailleurs, en disant ça, je vais faire tourner mon calendrier aussi, parce que vous allez voyager un peu. Une journée au moins. Val, tu Bah, du vas. coup, on s'arrête à Paradios, ouais. Oui, voilà. Vous allez. Bah, Val va être le premier à arriver. Il aura quand même pas mal d'avance Tout sur à vous. fait, tout à fait. Après, moi, ce que je fais, c'est arriver, Ouais. vu que techniquement, ils ont déjà dû recevoir le message sur la situation, Oui. moi, j'arrive en leur disant, bon, bah, présentez-moi les corps, à ne pas brûler, et je vais faire un rituel pour qu'ils ne puissent pas être transformés. Comme ça prendra, ça fera gagner du temps. Très bien. Et en gros, Claude, je peux, parce que je veux pas dépenser d'emplacement de sort, parce que bon, sinon je pourrais pas en faire beaucoup. Je le fais en rituel, donc considère que je fais, comment dire, je protège un corps toutes les 10 minutes. Ok. Ok. Et après, il dure combien de temps ce soir? 10 jours. Ah oui. À 10 jours. Ok. Donc je préviens. Ça a une durée de 10 jours, donc on va dire après plus d'une semaine, commencer à être très vigilant sur où sont stockés les corps, on ne sait jamais. Le monde t'écoute. Bah, de toute façon, t'as un accueil de prince hein, quand tu arrives à Paradios. De toute façon, donc, tout ce que tu Bon dis. oui, parce que moi en plus il me semble qu'il m'avait bien aimé moi la dernière. Ah, bah ouais, carrément, oui. Carrément. Et effectivement, ils vont totalement t'écouter, dire ce que tu leur demandes, sans broncher ni rien. Mais d'ailleurs, je profite. Est-ce qu'à Paradios, il n'y aurait pas un ou deux clercs? Il est possible qu'il y en ait un qui ait commencé sa carrière, ouais. Il y en avait déjà un parce que je crois qu'il a côtoyé Atalys à un moment donné. Possible, ouais. Est-ce qu'il serait niveau 3? Question. Oui, Parce que parce que sans le être. dé a dit oui. D'accord. Eh ben, dis-toi que je vais lui parler de ce rituel et qu'il va pouvoir le faire parce que c'est un. Doux repos est un sort de niveau 2, donc un clerc de niveau 3 peut le faire sans problème. Ok. Bah super. Oui, c'était la nouvelle Kestos, je crois, au carré. C'est pas un nom, c'est pas Kefta ou. Kefta, ouais. Après, je t'avoue que c'est un peu. Je t'avoue que ça me fait un peu rire comme ça. Oui, je crois que c'est Juliette qui a donné le nom de Kefta aux femmes.
Ouais. C'est bizarre, ça m'étonne pas. Et du coup, effectivement, elle va écouter attentivement, bien noter ce qu'il faut pour que le sort fonctionne, parce qu'elle ne le connaissait pas. Mais très bien, elle va le... en plus, c'est un rituel, donc elle va regarder tous tes gestes, essayer de recopier au début, et finalement, elle va y arriver Voilà. sur ce que tu ne sais Alors, pas. quand on sera parti, bah, faudra le faire sur ce qu'il y a. Je lui dis, bah, quand on sera parti, elle pourra le faire. Ça risque d'être, bah, un peu sport au début parce qu'il faut faire tous les corps, mais vu que ça dure une dizaine de jours à refaire et que, bah, on peut très bien le refaire avant les 10 jours pour réinitialiser le truc, ce sera plus simple à gérer. Ouais, juste que elle aura pas besoin de s'épuiser pour le maintenir normalement. En faisant un roulement. Et quand le problème sera réglé, que on vous aura permis et qu'on vous aura appris comment faire les tolos, tout ça, il y aura plus de problème. Voilà. Ça marche. Et je pense que le temps que tu fasses ça, je pense que notre cher Anar va récupérer son retard. Ok, c'est moi, faut que je re... Du coup, je viens avec pas mal d'âmes, si je comprends bien. Oui, du coup, oui. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui. Du coup, j'en ai. Bah, du coup, ceux-là, je pense qu'ils vont être les. Tu parles de la réponse à ma question Oui, tout sur à fait. MP? Oui. Ah. Non, tu les as tous, mais pour le berceau, bah tu prends ce que tu veux, quoi. Bah en vrai, je pense que le berceau, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour moi. Je pense que les fées ont assez d'hommes pour se défendre. Donc, je pense que je vais tous les prendre pour le berceau, mais qui sont déjà sur au niveau du berceau. Enfin, qui va t'envoyer là-bas. Mais là, du coup, je suis venu avec 100 hommes de la Légion, si je Hello. comprends bien. Oui, Salut. Plus les amis d'Ena. Et la guide du gobelin libéré, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Du coup, je m'arrêterai à l'entrée de Paradios et je demanderai à la guilde du gobelin libéré, Ouais. ainsi qu'aux 50 hommes devant les accompagner, de poursuivre le chemin en direction du berceau. D'accord. Ok, très bien. Ils vont Et être. je rentre au sein de Paradios avec les amis d'Ena et les 50 troupes, les 50 hommes de la Légion où je suis à leur tête. Je me dirige vers la maison du Keftos. De la cafeta, du coup. De la capitale, ouais. Où se trouve, je pense, Vald, puisque si la cafeta est la claire, je pense que Vald ne sera pas loin. Et du coup, je rentrerai dans la maison avec les amis d'Ena et je présume le lieutenant qui est en charge, enfin en tout cas les responsables qui sont en charge de ces 50 hommes. Oui, d'accord, le On va pas y aller capitaine. avec les 50, hein. Non, 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 C'est tu ça? vas aller avec le capitaine de la garni de cette De cette escouade. Oui, voilà. Et du coup, je frapperai à la porte pour. Je pense que tu vas avoir la cafeta qui va venir t'ouvrir et t'inviter à rentrer à l'intérieur, gentiment. Et du coup, je rentre avec les autres, du coup. Ouais. Je pense Ah. que toi, Val, tu dois y être pour la simple et bonne raison que du coup, elle va t'inviter à manger.
vu que tu viens de lui apprendre un rituel qu'elle ne connaissait pas. Et tu vas avoir du coup Alnar arriver avec certaines personnalités. Que tu connais, hein, du coup, ouais. Oui. Pas de problème. Bah, d'ailleurs, j'en profite, hein, si elle a d'autres questions sur de la magie, je lui réponds de ce que je peux savoir. Hein. Comment allez-vous Je dirai son nom parce que je me souviens plus de son nom. Je pense pas qu'elle s'appelle Kefta, mais. En train de regarder, mais je te dirai dès que je la retrouver. Mais oui. Bonjour Alnar. Comment allez-vous? Ça va, très bien. J'ai appris pour vos complications au fort de la main. Et j'espère que ça se passe un petit peu mieux. Surtout en cette Disons avec cette dégradation qui arrive, qui nous les touche. circonstances actuelles font que la situation s'améliore, on va dire, d'elle-même, compte tenu de la situation. Mais nous sommes venus avant tout pour préparer la défense de Paradios. Voici ce que nous souhaitons mettre en place ici. Vous aurez 50 hommes de la Légion sous le commandement du capitaine, et j'aurais cité son nom, ici présent, Bien. ainsi que nos compagnons et les amis d'Ena, qui viendront également vous aider. Les enfants et les personnes qui ne sont pas en mesure de se défendre ou de se battre seront transportés au fort avec, si possible, des vivres. Très bien. L'installation de la tour a-t-elle été finalisée? Oui, effectivement, nous avons envoyé ce qu'il faut pour ça. Alors, la Kefta s'appelle Cléatane. Et Atan. Okay. Oui, bien sûr que ça a avancé. Après, nous avons préféré. Malheureusement, nous avons laissé deux personnes qui sont censées se barricader à l'intérieur et pouvant envoyer des messages. Si tu vois ce que tu. Là sera notre réseau de communication entre le fort et vous-même. Et le reste, ceux qui étaient en train de réparer, investir, on leur a demandé de revenir ici à Paradios pour nous aider à la défense et nous aider à préparer la population au pire. Très bien. Je pense qu'il est temps à présent de faire une communication officielle au sein du village. D'ailleurs, Vald, si vous souhaitez m'accompagner, vous êtes le bienvenu. Entendu, si ça dépendra de ce qu'il reste à faire pour s'occuper des différentes dépouilles. Vous avez raison, privilégier sa tâche et je Mais m'occupe après, comme de. c'est pas très urgent et que la Kesta ici présent après mais a appris le rituel nécessaire. C'est tout de suite là, tout de suite, c'est moins urgent. Mieux vaut que Cléatane, enfin, c'est ça, hein, Ouais, Cléatane, oui, qu'elle s'appelle? Cléatane.
Il vaut que les Atan apprennent le mieux possible ce rituel avec vous, à vos côtés pour pouvoir le reproduire parfaitement. C'est entendu. Je me chargerai de faire la communication auprès du village. C'est entendu. Bah, je vais continuer. Je vais continuer de voir ça avec Cléatane. Une fois qu'on sera prêt à partir, venez me trouver. Très bien. Alors attends, parce que comment dire? Val vient te vous Val, je sais plus si te vouvoie ou te tuto en fait. Je pense qu'on se tute pas en fait. Oui, voilà, oui, bah tu viendras me chercher. Pas de souci. Et du coup, bah, Nar regardera Clatan. Du coup, je vous laisse en compagnie de de Vald. Et de mon côté, je m'occupe de la population, si cela vous convient. Bien entendu. D'ailleurs, tu auras remarqué que que t'as été. C'est marrant que je dise des trucs pareils. Que tu as un petit rassemblement de groupies devant la maison de la Kefta. Les mêmes que d'habitude. Ok. Qui effectivement ont fait un petit guéridon de groupies et qui sont là en train d'attendre le moindre instant où tu sortes de la maison. Et effectivement, quand tu sors, bah, t'as des... Tu es un petit peu acclamé. Alors, tu étais un petit peu acclamé quand tu es arrivé dans Paradios, hein, comme l'était Vald. Bon, peut-être un petit peu plus que Vald, Ouais. parce que bon, t'as un petit côté musicien. Hein. Oui. Mais là, tu ressens que c'est un petit peu plus soutenu quand tu sors de la maison de la Kefta où les gens te font des hurrahs, te demandent une chanson pour la gloire de leur peuple, pour leur courage. Du coup, Hésite là. Hein. Disons, ouais, j'hésite. C'est non, mais en fait, je pense que je vais leur dire. Je vous chanterai une chanson si vous le souhaitez pour vous encourager, mais pour l'instant, je dois parler à votre village en entier. Pouvez-vous m'aider à les rassembler sur la place principale? Du coup, alors certaines personnes ne t'écoutent pas, d'autres t'écoutent attentivement et dès que tu le dis, t'en as certains qui vont se mettre à courir pour aller s'exécuter dans l'immédiat, résoudre ce que tu viens de leur demander. D'autres vont être un petit peu plus flemmards et vont se mettre à hurler pour répéter très fort ce que tu viens de leur dire, histoire que les gens qui se trouvent encore trop loin écoutent et se rassemblent. Et du coup, je prends la dire, enfin, juste à ceux qui crient à côté de mes oreilles, je fais, vous pouvez aller crier dans tout le village, s'il vous plaît. Et puis, du coup, je m'avance vers la place parce que c'est vrai qu'ils ont crié et ça, je m'y attendais pas. Du coup, j'ai eu ce moment de réflexe, tu sais, de retour en arrière un petit peu. En tenant mes oreilles, et du coup, bah, j'avance vers la place. Ok. En discutant avec le capitaine, en rappelant ce que j'avais indiqué comme ordre avant que cette situation ne se passe. Et que du coup, je présume qu'on a un registre des personnes qui ont fait le registre, le service militaire. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas été énorme, mais. Si tu parles des gens qui ont fait le service militaire dans l'Empire, oui, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais de ceux que j'ai appliqués là récemment, Ah, qui non. sont venus s'entraîner. Ok, oh, si, ah, si, bah si. Bah si, non, mais tu rigoles. Si, si, il y en a une bonne vingtaine quand même. Enfin, Ok. pour le village, une bonne vingtaine, c'est déjà prodigieux quand même.
Ok. Bah du coup, je vais leur demander de venir à la place centrale. Tout le monde Donc, je vais leur demander. va Je vais s'asseoir. plutôt réunir tout le village, voilà, Ouais. sur la place, et puis je vais faire le discours quand il y aura tout le monde. Bah, ça va être assez rapide, hein. Au bout d'une demi-heure, enfin une demi-heure, t'auras déjà beaucoup de monde. Oh, si tu attends un quart d'heure, t'auras quasiment tout le monde. Enfin, tous les gens qu'il faudrait que tu aies. Vas-y, fais ton discours. Chers habitants de Paradios, je me présente à vous humblement et je regrette de ne pas être parmi vous en tant que saltimbanque, mais plutôt en tant que responsable du fort. Voyez-vous, nous avons eu vent d'une invasion venant du sud massive et nous sommes en train de nous préparer pour défendre à la fois le fort et ses alentours, mais y compris Paradios. À cet effet, et à compter de cet instant, les enfants et les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas la possibilité de se défendre ou de se battre, seront amenés au fort pour leur protection, avec des vivres pour pouvoir tenir en cas de... J'ai plus le terme exactement, hors RP. C'est quand on fait un blocus autour d'une forteresse. Blocus. En cas de blocus Siège. de siège, voilà. En cas de siège, les nous aurons vous aurez également parmi eux pour votre défense 50 hommes de la Légion sous le commandement du capitaine Kundarak et également la compagnie des amis d'Ena que vous connaissez déjà. Effectivement. Je vais également appeler certains noms qui seront habilités à défendre Paradios sous le commandement du capitaine. Et je tire en fait le parchemin et je cite tous les noms qui sont venus se défendre qui sont venus s'entraîner. Et en fait, juste avant de dire le nom, je dirais que les noms que je cite viennent devant la scène. Et je citerai du coup tous les noms. Ils vont tous venir honorablement. Vous avez été les premiers à participer à l'entraînement militaire fourni par le fort, et en ce sens, vous protégerez Paradios au même titre que la Légion. Vous fourniront ce que vous avez besoin pour la défendre. Quant aux autres, commencez à préparer vos affaires éventuellement ou à vous défendre. Bonne chance à vous et que la lumière d'Aliana soit sur vous. Tu entends ta tu entends fredonner par l'ensemble des gens qui sont devant toi ta petite chanson sur Alnar qui est fredonnée comme ça en chœur par le public. J'ai une question. Oui? Dans les hommes, les PNJ là qu'on a choisi tout à l'heure, j'ai oublié, j'ai repart. Nos amis, pas Des les groupes de amis, les PNJ qui ont gobelins été libérés, choisis ouais. pour rester. Ouais. Les gobelins libérés, ok. Et l'autre, c'est les compagnons d'Ena? Les amis d'Ena. Les amis d'Ena. Est-ce que là-dedans, il y aurait des... Attends. Est-ce qu'il y aurait des clercs dedans? Je ne crois pas.
Non. Est-ce qu'il y aurait des magiciens? Il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de clerc, par contre, il y a un sorcier et un druide. D'accord, non mais c'était juste... Pour le coup, c'était uniquement Ouais. magicien ou clerc, parce que tout repos peut être fait par un clerc ou un magicien. Par contre, dans les amis d'Ena, il y a une magicienne. Pardon. Alors, parce que contrairement aux clercs, là les magiciens, ils apprennent un nombre limité de leur liste de sorts, donc ils l'ont peut-être pas. Est-ce que Oui. déjà elle est au moins niveau 3? Oui. Et est-ce qu'elle aurait appris tout repos? Oui, elle l'a pris. Ok, bah du coup elle peut aussi faire. Peut aussi t'as fait. Bah tant Je mieux. pense qu'elle est avec toi avant. Oui, du coup, oui. Effectivement. Ça me semble logique. Et du coup je descendrai de la scène et je saluerai un par un les volontaires qui sont entraînés. Et je demanderai au capitaine qu'il leur fournisse de quoi se défendre et attaquer. S'il y en a qui veulent me parler, je vais rester peut-être un petit quart d'heure, le temps de rassurer les gens et de les calmer, Bah si besoin, mais... en fait tu comprends quand ils reprennent ta chanson qu'en fait ils suivent ce que tu leur as dit et ils partent dans l'idée qu'ils le font pour leur sauveur et de ce fait tu comprends assez vite que c'est ça qui les motive. Enfin leur sauveur hein, parce que tu n'es pas le seul mais comme c'est ta chanson, évidemment, c'est ton nom qui est dedans. Ok. Et du coup, très vite, je vais retourner à la maison du Kefto, de la Kefta pour récupérer Vald, du coup. Très bien. Eh bien, je présente. Je sais pas où j'ai avec cette phrase. Je dis au revoir à la question. Et lui souhaite bon courage et à la prochaine, en espérant qu'il n'arrive rien. Et moi, je regarde la Kefta et je lui dis, si vous voyez que vous êtes submergé et que vous avez une possibilité de repli, repliez vos forts. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'y amener des vivres. Ça sera votre refuge, au cas où. Du coup vous partez j'imagine Oui. vous partez je pense que ce sera peut-être plutôt le lendemain attends, que je refasse le truc non ça c'est le matin que vous l'avez Oui, je fait pense. donc vous êtes en milieu de bah, on va dire en heure vous êtes vers les 15 h. Et... Donc est-ce que vous repartez? Est-ce que vous dormez là? Ah, je pense que même 15 h, j'exagère un petit peu parce que Vald a quand même appris tous les rituels et tout ça. Toi, t'as rassemblé les foules. Donc ouais, non, je pense que la journée va être bien avancée avec tout ça. Très sincèrement. Ouais, bah dans ces cas-là, je pense qu'on dormira sur place et Ouais. Ensuite, une fois que vous repartirez le lendemain, où est-ce que vous allez?
Bah on va du côté. Est-ce qu'on peut être retourné sur la carte où il y a Non mais le berceau et le moi je suis forest? un gros malin, je me suis mis sur la carte et je suis en train de vous dire ça. Du coup, moi je vois très bien où est-ce que vous allez aller, mais c'est juste que comme vous n'êtes pas sur la map, vous allez avoir du mal à me dire. Voilà. Bah, moi, ce que je souhaite passer. Alors, attends. C'est effectivement par là. Par là, parce que j'aimerais bien. Les trolls, normalement, ils doivent être par là, si je comprends bien. Oui. Et comme je veux recruter les trolls. Du coup, l'idée, ça serait de passer du coup par les trolls et ensuite d'aller au berceau. Donc, vous en avez pour 4 jours et demi. 4 jours et demi. Bien sûr, j'aurais demandé juste avant de partir que tout le monde s'entraîne à combattre le temps qu'ils arrivent. Surtout ceux qui n'ont jamais combattu. Je vais mettre votre événement. Ah, mais bug pas. Non. Holba, ne bug pas, s'il te plaît. Ah, mais c'est parce que j'ai pas la bonne couche. Voilà. C'est pour ça que j'y arrive pas. Vous arrivez là. Vous remarquez une grande maison faite de pierre et de bois bien maçonnés et bien charpentés, avec de grandes portes à taille de troll. Juste au pied, pas juste au pied du pont, mais un petit peu en décalé par rapport au pont. Au souvenir, tu n'as pas vu de maison là. Oui, c'est pour ça que je suis très étonné. Et tu remarques effectivement une des trolls que vous aviez vu chez les Bourbonnais qui est ici avec son troll lacustre de Marie et leurs deux enfants. Que vous reconnaissez bien sûr. Et Que tu ils sont à reconnais. l'extérieur ou ils sont à... Oh, tu as certainement le lacustre qui est avec une grande perche avec un fil au bord du fleuve. Avec un de ses fils qui est debout en train de vous regarder arriver. J'ai envie de dire, est-ce que vous le voyez vous sourire? Je suis pas sûr. Enfin, ça dépend comment vous interprétez la chose. Et les deux autres, non, vous les voyez pas tout de suite, vous les voyez en avançant, ils sont dans la maison. Bah du coup, je m'approche du père et de son fils. Et je dis bien bonjour. Voilà, raccourcis-moi les Comment yeux. allez-vous en cette journée? Du coup, c'est le fils qui te répondra. Le père se retournera vers toi, bien sûr, pour te saluer à sa façon, c'est-à-dire en hochant de la tête. Et le fils te répondra, eh bien, bonjour, gouverneur. Nous allons très bien ici, même si ça ne meurt pas. Et à vrai dire, je ne suis pas sûr que mon père ait raison de vouloir les pêcher, vu la situation.
Vous en avez entendu parler? Bien entendu, les faits nous ont dit. Comment souhaitez-vous vous défendre? Eh bien, je doute que cette horde puisse nous toucher. Nous allons juste les taper, les uns après les autres, ou tous ensemble. Tout dépendra de comment ils souhaitent mourir de nouveau. Et puis voilà. Ouais, qui descend son cheval et qui marche dans leur direction. Je souhaite solliciter votre aide dans ce combat pour la défense du berceau. Il y a déjà des faits là-bas. Les fées doivent protéger leur territoire, et leur territoire est grand. Y aura quelques créatures féeriques, effectivement, mais je pense que cette région vous plaît tout autant qu'à nous, et à ce titre, je vous convie à sa défense. Du coup, Si vous le souhaitez. tu vois. Je pense que tu parles normalement, hein, tu vois, tu le dis pas à voix basse. Oui, tout à fait. Non, non, je parle normalement. Là, j'ai toujours parlé normalement. Oui, non, mais. Tu auras madame qui va être sur le pas de la porte. Ah ben non! Je viens juste d'emménager ici, c'est pas pour repartir tout de suite! Si tu fais une réponse avant que le mari réponde. Non, non, bah non, je ne prends pas cette réflexion pour moi. Lui dira, mais écoute, on reviendra, on va amener toute notre bouffe avec nous, et on va la mettre à l'abri dans le truc féerique, là, le berceau, là. On va protéger notre bouffe, et quand on reviendra, ah bah on ira chercher d'autres bouffes. Et notre maison sera intacte puisque ils trouveront aucune bouffe dans notre maison, donc ils n'auront aucune raison de venir saccager notre maison. Et puis s'il en reste, bah c'est pas grave, ça servira de dessert. Voilà. Du coup, ils te... Comme à l'époque. Le père a donné la canne à son fils. Il arrive vers toi. Il te fait un petit check au niveau de l'épaule. Qui te bouscule un peu. Avec son doigt, parce que je pense que son doigt fait ma tête, voire plus. Oui, il essaye d'aller un petit peu plus délicatement que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je crois que tu l'avais pas forcément bien pris. Enfin, je sais plus si c'était toi ou si c'était l'autre Oui. qui l'avait mal pris, mais il y en avait un des deux qui avait mal réagi à cette opération. En fait, c'était moi qui avait mal réagi parce qu'il voulait manger des fées. Oui, voilà. Et du coup, là, je le prends bien. Je. Oui, enfin, ça reste quand même un doigt de troll qui te check l'épaule. Oui, non, mais c'est sûr. Ça doit être impressionnant à voir et à subir aussi. Je Et l'accepte. du coup, serait-il possible de nous aider à traverser et nous vous attendrons. Prenez le temps nécessaire pour vous préparer et nous vous attendons afin que vous puissiez venir avec nous. Très bien. Du coup, il t'aide à traverser, effectivement. Ah, vous êtes en milieu de matinée quand même, faut pas que j'exagère sur mon truc. Vous étiez arrivé à peu près après le repas. Vous discutez un petit peu, vous traversez. Et surtout, on les attend pour qu'ils se préparent. Donc, Ouais, ça va être quand même
un joyeux bordel. Ils vont mettre le plus jeune fils au devant d'une charrette. Et le jeune fils va tirer la charrette. Et au cul de la charrette, il va y avoir pas mal de bouffe. Voilà. Pas mal de bouffe. Que de la bouffe. Donc, et c'est quel genre de bouffe qu'il mange? Là, ça a l'air d'être du gibier, du cerf, du sanglier. Pas de fée. Ok, non, mais pas de soucis. Plus pour leur en... une fois que la guerre sera finie, pour leur en faire venir, pour leur faire livrer des choses qu'ils souhaitent. Du coup, quelle sera la prochaine destination? Bah, je regarde Vald, mais je pense que la prochaine destination, c'est le berceau, hein. Très bien. Est-ce qu'on a un endroit où s'arrêter sur le chemin? Bah de sur le chemin, je vois pas trop. En vrai, le temps que vous débarquiez, au maximum, vous pouvez aller là avant que la nuit tombe. Ouais, mais justement, je veux pas le faire passer par le... Enfin, je pense pas qu'ils aient l'autorisation d'aller sur le territoire des fées. Non, effectivement. Les trolls. Du Si, coup, en fait, je vais. si, 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 si. Si, 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 Alors, si. je pense qu'on peut demander une dérogation parce que là, on les accompagne et on ne va pas s'y arrêter au territoire des fées. En fait, Et je t'avouerai que là, c'est justement pour les protéger aussi qu'on va au berceau. oui, et puis Alna, en fait, parce que vous allez passer un petit peu de marche avec eux, ils vont parler en marchant d'un tas de sujets aussi importants que la bouffe, mais autrement, ils vont te dire qu'il y a eu un traité de paix officiel qui a été signé entre, enfin signé. A été accepté par les trolls, les fées et les monteurs d'araignées pour créer une alliance contre la Légion pour défendre cette zone contre la Légion et toute menace venant troubler leur paix et leur survie. Ok, bah du coup, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, toi, de ton côté, étant donné que tu es à ministère des elfes, des fées, pardon, ça faisait partie de l'ordre du jour de l'Assemblée. D'accord. Donc il s'avance un petit peu en disant qu'il y a un accord, mais bon, il faut considérer que à quelques jours près, ça doit être validé. Ok, bah du coup je fais au plus vite. Je vais en ligne droite. Hop. Quel genre de message? Alors, attends. J'avance d'une journée sur mon calendrier. D'ailleurs, Val, qu'as-tu découvert au sein de la cellule de Crisée? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas RP ça. J'ai pas découvert d'autres choses que tu m'avais dit au début. Si. Si, parce que. Genre, putain, je sais plus si tu m'as fait. Bref, comme tu as quand même bien investigué et que tu as bien cherché à fond, tu as remarqué qu'autour des vêtements de Crisée, il y avait de la cendre. Des cendres. Ok. D'accord. Bah du coup, je t'explique que j'ai repéré une magie, mais particulière. Pas une magie d'une école qu'on connaît, une magie qui a l'air d'être
d'une origine extrêmement puissante, quelque chose que j'avais jamais senti. Et aussi qu'autour des vêtements, il y avait comme de la cendre. Si elle aurait brûlé. Ça aurait correspondu à la cendre d'un corps ou pas, MJ? C'est possible. Après, les vêtements, eux, n'emportaient aucune trace de brûlure. Ils étaient intacts, mais effectivement, vu la quantité de cendres, c'est ce qu'on aurait pu s'attendre si son corps avait s'était entièrement consumé. Il me semble qu'elle avait porté, fait un pacte avec une entité et dans ses pouvoirs, elle maîtrisait le feu de mémoire. Enfin, il me semblait que c'était dans un rêve de Ankh. Tu vois que quand il dit Ankh, il est très triste, enfin, il prend un air triste et Atalyse. Peut-être ça a un lien avec son entité. Cité qui la protégeait. C'est extrêmement étrange tout ça. M'y connais pas encore suffisamment dans ce domaine pour. Oui, je pense que ce ne serait pas de la paranoïa que de s'attendre à la revoir. Restons sur nos gardes dans ces cas-là. Mais, Anar, Oui. je sais que ça te tient à cœur qu'elle soit jugée par l'Empire pour les crimes qu'elle a commis et en temps normal, je serais 100% d'accord avec toi, mais au vu du tour de force qu'elle vient de réaliser, je pense que la prochaine fois qu'on la voit, il faudrait peut-être envisager une méthode plus radicale. En temps normal, je suis contre cela, mais au vu du danger qu'elle représente et de ce qu'elle est capable de faire pour s'évader, je pense qu'on ne peut pas prendre plus de risques. Tu vois qu'il semble songeur, et puis il se rappelle de toutes les méfaits qu'elle a eus, qu'elle a fait. Je serais d'accord avec toi, Vlad, mais nous ne pouvons pas rentrer dans cette voie. Si nous rentrons dans cette voie, nous ne valons pas mieux qu'elle. Et Je suis d'accord, et moi aussi, s'il n'y avait pas eu cette affaire, j'aurais été d'avis qu'elle soit en jugement. Mais en si la attendant. situation effectivement nous oblige à lui ôter la vie sans jugement, dans ces cas-là, qu'il en soit ainsi. Mais si nous avons la possibilité, même infime, de la mettre en jugement, je la prendrai. Le problème, c'est que nous avons déjà, enfin, vous avez déjà eu cette possibilité que vous avez prise et je te le redis, selon moi, à raison, mais ça ne me semble pas possible vu ses pouvoirs et ses aptitudes. La nuit porte conseil, Vald. Laisse-moi y réfléchir et nous verrons. Tu vois que c'est un sujet qui le préoccupe et du coup il est dans ses pensées en train de touiller sa gamelle. D'ailleurs, faites-moi un jet de perception vu que vous êtes en train de parler de quelque chose d'intéressant. On est d'accord que Daphné, elle est toujours en. Oui, tu peux. Oui. Okay. Vous Pas sûr qu'elle fasse grand-chose, mais. sentez tous les deux cette présence. Ah. Tu sens ça? Ouais, c'est désagréable. J'ai mis Daphné en surveillance, mais elle n'a rien détecté. Cette présence. Sur la route en allant à Parasios,
Merde. Paradios. Paradios, pardon. Voilà. J'ai senti cette présence. Je l'ai senti plus nettement que maintenant et j'ai eu le sentiment que c'était une présence féminine. J'ai essayé de la suivre, mais au bout d'un moment, elle a purement et simplement disparu. Est-ce que tu penses que ce serait elle? Pourquoi elle nous suivrait? Moi, peut-être parce que je vous ai rejoint en fort, et vous, peut-être parce que vous l'avez vaincu et capturé. Mais... Et parce que si on venait à disparaître, il faut, ce n'est pas un manque de modestie que de reconnaître que sans nous, la situation se partirait à volo dans le coin. Je regarde les trolls. Vous aussi, vous sentez une quelque chose qui nous regarde? Tu viras sur les quatre, trois qui tout de suite vont prendre un maximum de bouffe dans leurs Excusez-moi, bras. faut que j'y aille 2 minutes. Ouais. Et tu vois qu'un maximum d'entre eux vont prendre leur bouffe dans les bras. L'un des fils dire. Non. Est-ce qu'il ment? Refais-moi un jet de perspicacité. Ouais, je cherche justement. Insight. 16. C'est pas qu'il ment, c'est qu'il essaye de se mentir à lui-même. OK. Donc oui, très certainement qu'il a ressenti la présence. Je vais incanter. Et je vais faire l'illusion mineure de son pour en fait reproduire, mais bien plus fort, la voix que, enfin le texte que je vais dire. Vous qui nous suivez discrètement, nous ne voulons pas vous faire de mal. Si vous êtes ici en allié, approchez. Si par contre vous êtes ici en ennemi et qu'on vous trouve, nous ne mettrons pas cher de votre peau. Et entre guillemets, je vais l'intimider. Du coup, je te fais un jet d'intimidation. Et j'ai le peigne aussi, du coup. 19. Tu entends un cri extrêmement strident qui te répond. Un cri d'outre-tombe. Okay. Et du coup, ça ne dit rien, c'est ça? Mais ça ne dit rien. Est-ce que j'ai identifié le cri si je fais un jet d'arcane pour essayer de voir de quelle créature ça peut provenir? Pas besoin.
et certainement mort-vivant. J'envoie un message à Felerea. Alors la femme, alors vu l'intensité du cri, mort-vivant et certainement quelque chose de costaud et de puissant, parce que le cri était vraiment fort, particulièrement désagréable, effrayant. Ok. Qui ne semblait pas avoir peur de ta menace, malgré qu'elle réponde. Donc j'envoie un message par télépathie à Ferrea en lui disant les morts-vivants sont déjà parmi dans votre forêt. Faites attention à vous. Et du coup, je regarderai Vald et les trolls en leur disant, c'est une créature mort-vivante, restez sur vos gardes. Peut-être une éclaireuse. Ok. Vous Et allez. du coup, bah je. Bah, l'idée c'est de trop. Est-ce qu'on a identifié l'endroit d'où provenait le cri? Vous êtes dans un endroit où il y a quelques petits endroits du genre colline rocheuse parmi les forêts et tout ça. Tu as remarqué que ça venait d'un surplomb par rapport à vous. Donc ça correspond à Ok. quelqu'un qui pourrait vous observer de haut. La question que je me pose, c'est que est-ce que je peux envoyer. Ok. Du coup, Alnar va s'asseoir en tailleur au milieu du camp, fermer ses yeux, se concentrer et. Me détendre. Ah, d'accord. Et quand il les rouvre, en fait, ses yeux sont blancs. Il voit à travers Daphné. Et il lui dit, Ouais. il lui indique l'endroit. Approximativement, et il lui demande d'y aller en invisibilité avec la plus grande discrétion qu'elle puisse pour aller voir qu'est-ce que c'est. À combien de mètres est-ce que tu as un lien kilométrique ou c'est limité? Alors, je peux percevoir les choses par le biais de ses sens aussi longtemps que vous êtes sur le même plan d'existence. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, tu verras à travers tes yeux une zone où des morts-vivants ont pris votre direction, sont en train de marcher de façon groupée avec ce qui apparaît comme quelque chose de pas très très agréable à voir. Une sorte d'accumulation d'os qui bouge, qui se meut en votre direction et qui est de grande taille. Qui ressemble en gros Et à ils sont des combien à peu humains. près? Là, actuellement, en mort-vivant, vous en avez. Enfin, en mort-vivant, comme vous pourriez avoir l'habitude de les voir, vous en avez 5. Je te laisse
deviner par sa vue qu'il s'agit de revenants type Fury. Vous saviez ce que vous n'aimiez pas. La nuée d'ossements, c'est compliqué de savoir combien. Mais c'est de grande taille et il y a beaucoup d'os. Du coup, Elnar referme ses yeux et dira à Daphné de revenir le plus discrètement possible tout en restant invisible. Il préviendra Felrea, du coup, pour le coup, de la position des morts-vivants et surtout de la créature qu'il ne connaît pas. Possible en envoyant l'image. Mais... Et il va revenir auprès de Vald. Oui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Eh bien, pour changer, commence par la mauvaise, j'imagine. Je vais plutôt commencer par la bonne. C'est que j'ai réussi à identifier ce qui nous suivait. D'accord. Et tu vois qu'il incante et entre guillemets, il te fait une illusion en 3D, en holographique un peu, du camp des zombies avec la créature qu'il n'a pas réussi à identifier. Voici ce qui nous suit. Et cette créature, il pointe l'amas d'os. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais. Est-ce que ça peut parler à Vald? Oui, au plus simple du monde. Cette créature, c'est comme l'a dit Okaris sans le savoir, comme l'a dit Alnar sans le savoir, il s'agit effectivement d'une nuée d'ossements. Nuée d'ossements. C'est une créature qui, bien entendu, a certainement été créée par quelque chose, une entité supérieure. Il faudra des preuves. Deux autres, ce sont des furies qu'on a vues lorsqu'on était sur le plan de. C'était Nos, c'est ça? Non, c'était Nord. C'est ça, hein, le plan où on était? Non, Pteros. Théros. Lorsqu'on était sur le plan de Pteros à la poursuite de Crisée. Avec les autres membres de la main. D'accord. Il faut faire attention à leurs cris et à leur charme. Plusieurs d'entre nous ont été charmés. Je vois. Et je le dis aussi pour les trolls. Et est-ce qu'il semble nous pister, suivre des traces? Il semble prendre notre direction, en tout cas. Oui, mais est-ce qu'il semble la suivre de manière un peu, de manière surnaturelle, ou est-ce qu'il semble suivre des traces pour nous suivre? Ils étaient dans un camp, je ne sais pas. Ils ont monté un camp. Non, ils sont clairement en train d'avancer dans votre direction. Mais ils suivent des traces ou ils suivent quelque chose ou ils suivent nous? Ce que tu as vu, c'est comme si cette nuée d'ossements qui est en train de marcher était en train de les guider également. Est-ce qu'on tente une embuscade? Je préfère voir les trolls proches
proche du berceau. Je... Tout du moins au moins leurs enfants. Oui, mais je sais pas si c'est une bonne idée de se laisser suivre par ces morts vivants. Nous, on aura besoin de se reposer et eux continueront inéluctablement à nous suivre. Nous ne savons pas s'ils nous suivent ou s'ils vont aux arbres aux mille bourgeons. J'ai envie de dire, c'est ça, autant s'en occuper. On peut essayer. Et on y va à deux. Ils étaient combien? Il y avait cinq furies et sept amas d'os de Taïgé. Il n'y avait pas d'autres morts-vivants? Je parle sous le couvert de Claude, mais non, pour moi, Bah, c'est la seule chose qu'on a vue. t'as été que en direction du Du cri. cri, oui. Oui. Ma foi, ça me paraît jouable à nous deux. Les furies, ce sont des morts-vivants aussi, ou pas? Oui. Eh bien, même si ce n'est pas ma vocation première, voir de clair me donne un certain avantage contre eux. Je regarde les trolls et je leur dis, est-ce que l'un d'entre vous peut nous aider? En fait, les quatre oh, parce que bon, ils sont pas non plus très bêtes et ils savent qu'il y a, enfin, s'ils sont très bêtes en fait, mais ils savent qu'il y a une menace qui arrive de C'est mort-vivant. surtout qu'en plus, ils ont l'illusion devant leurs yeux, en fait, en plus, donc. Et les quatre se portent volontaires pour vous aider. J'ai une question, Claude. Est-ce qu'il y a, vu que j'ai l'impression, vu que j'ai l'air de les connaître, est-ce que je connaîtrais leurs aptitudes, c'est-à-dire slash, est-ce que je pourrais, que, vu les connaissances de Vald, est-ce qu'en tant que joueur, je pourrais connaître leurs fiches ou pas? Ou au pire, j'ai surtout besoin de, j'aimerais surtout connaître un détail sur le fiche. Ouais, dis-moi. C'est leur indice de dangerosité. Dangerosité 5. Et le papa? Ça veut bien s'éclaircir. 7. Donc les deux fistons et la maman sont à 5 et le papa est à 7. T'as pas dit qu'ils étaient 5? Les enfants et la maman sont de dangerosité 5 Ah oui, et... non, mais c'est parce que Vald, toi tu parlais des trolls ou tu parlais des furies? Les furies, les morts-vivants. Oh putain, mais j'ai du mal à comprendre ce soir. Ah oui, non, bah oui. Les furies. Bah, les furets, la nuée d'ossements, si je peux, ou si tu veux que je fasse un jet pour le savoir. Ouais, vas-y, fais-moi un petit jet. Parce que t'es pas censé. Ok. Est-ce que vous avez Est-ce que ça ajouté. compterait dans le savoir interdit? Ouais, je crois Vu que. que c'est mon domaine d'étude. C'est la première Parce fois que mon domaine. que je te parle de Fury ou est-ce que tu te rappelles les avoir vus en combat? Je crois que tu Ah les as bah vus. avec Vald, c'est la première fois. Ah oui, avec Vald.
Fais-moi un petit jet quand même. Mais du coup, est-ce que ça compte dans, alors, pas théologie, mais dans savoir interdit? Savoir interdit. Ok, est-ce que ça me donne un avantage? Et tu veux que je role quoi? Religion, c'était pas religion, si religion, c'est bien. Ok. Vingt-trois. Ok. Fasse très attention à ce que je dis. Tu sais que les gnolls ont un petit une envie c'est d'avoir un chef qui soit surpuissant leur permettant de pouvoir conquérir. C'est ce qui fait le fondement même de la Horde Blanche. Ok. Tu sais que pour y arriver, ils sont prêts à toutes les recherches possibles pour pouvoir créer cet individu. Ou, au pire, s'il n'arrive pas à créer cet individu, à lui créer une armée suffisamment forte pour pallier à ce qu'il n'aurait pas comme chef. D'accord. Les zombies et fils de la furie, de ce que tu as pu lire au cours de ta traversée jusqu'au fort de la main et jusqu'à nos chers amis de la main, par ce qu'on a pu te dire ou de ce que tu as pu lire dans certains cahiers. Les gnolls auraient fait des sacrifices humains, ainsi que des sacrifices parmi eux, mélangés à de la à ce qu'il y avait dans le berceau, transformé en Maelstrom, donc en mauvaise magie, et aurait réussi à faire se transformer des l'esprit de leur gnoll d'avant, sacrifié, en gnoll appelé fils de la furie, qui sont des gnolls bodybuildés et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de péter des gueules. Donc ils ont une bonne Morgenstern. Une bonne Morgenstern, je précise encore. Et au niveau de leur dangerosité, ils sont à deux. Sinon, Et autre chose, pour le dire franchement, ce sont des sacs à PV. d'accord. Ça, tu le sais aussi parce que je pense que dans les écrits, surtout quand la main est passée dans le coin, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils mourraient pas si facilement que ça. Eh bien, très bien. Tu m'as dit que tu cherchais aussi pour les nu le nu nuée d'os aussi. Oui. Ça, tu ne trouves rien. Ça, tu ne D'accord, l'as pas. même l'indice non enregistré, je pourrais pas le connaître. Ok, très bien.
D'accord. Bah, je reste quand même dans mon idée que assez bah, je pense à nous deux, ça y est. Est-ce qu'on y va quand même qu'à nous deux ou est-ce qu'on prend déjà des gens, des hommes avec nous? Les trolls souhaitent nous y accompagner, donc comme nous sommes tous les six, autant y aller tous les six. Très bien. J'imagine que plus on est de fou, plus on est. On fera de l'entraînement pour L'entraînement. ce qui se trouve au niveau du berceau, et puis si on peut avoir des informations sur ce qui nous attend, ça peut être pas mal. De l'entraînement. Très bien. Je vous mets dessus direct. Tu vas en direction du campement, c'est ça que j'ai entendu. Bah, je crois qu'on y va tous les six, hein, du coup. Hein. Du campement en Oui. direction? D'accord. Mais bon, j'avais quand même prévenu Felreas de cette position ennemie. Faire n'importe quoi, ça sert à rien. Mais non. Je vais vous mettre dessus, mais j'essaye de faire mon effet pour que vous compreniez bien la situation. Parce que c'est le genre de contexte où vous allez avoir besoin de bien comprendre ce qui se passe. J'ai même pas assez de place sur la map. Heureusement que maintenant il y a le fondu. C'est bien, ça permet d'agrandir un petit peu. Voilà. Pop, que je vous fasse ping dessus. En vrai, je vais pas vous cacher ce qu'il y a dessus, parce que vous allez arriver un petit peu en surplomb du corps ennemi, et ce surplomb va vous servir grandement. Vous arrivez ici. On arrive où ça? Ok, à ce niveau-là. Comme ça, je vous permets d'être un petit peu protégé de la forêt, entre guillemets. Du bois, des arbres. Je vous mets 4 trolls. Je vais essayer d'en trouver un qui est un petit peu plus gros que lui. Oh, il y en a une qui ressemble à la maman. Quelle taille ça fait? Parce que là, pour le coup, je vous avoue qu'il y a une histoire de taille quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué, mais du coup, il y en a plus que ce qu'on a vu, parce que moi, j'étais parti sur un groupe, et puis finalement, ok. Sincèrement, le groupe que Daphné te désigne, c'est celui qui est là-bas, que vous pouvez voir à D'accord, ok. travers les arbres. Et effectivement, comme elle n'a pas été vraiment assez loin, qu'il y a eu un petit peu de temps, donc ceux qui les autres ont le temps un petit peu de marcher un petit peu.
les autres sont apparus plus loin. Ceci étant, je pense que maintenant Daphné sec et qui sont là. Je pense qu'elle a été un petit peu en épureur. Oui, tout à fait. Donc elle t'aura prévenu sur le chemin. Alors bien entendu, je vous accule pas étant donné qu'elle a su l'information. Si jamais vous voulez faire marche arrière, vous le pouvez bien entendu. Parce que vu la situation, vu ce que vous voyez, je pourrais le comprendre. Pour moi, c'est trop tard. Attends, faut que je mette mon token? Ou on Oui. arrive au même endroit? Ouais, vous arrivez au même endroit, oui. Enfin, je pense. Oui, je pense aussi. J'ai toujours envie de vous battre, hein. On est bien d'accord. Bah écoute, oui, même si ça fait déjà deux fois que tu nous poses la question, ça veut dire qu'à mon avis, on va mourir, mais bon. Ça veut dire que je veux être sûr que je ne suis pas en train de mettre les tokens pour rien. Et bah, le papa, je vais le mettre comme ça. C'est pas grave parce que j'ai pas de troll là. Ouais, moi j'ai donné mon avis, mais après, t'as le droit de dire ou pas, c'est d'accord, hein. Non. Non, mais moi, ça me semble ok aussi, en sachant que ça permet de défendre en partie, mais faut juste faire attention à pas se mettre en danger, quoi, c'est plus ça. Ça fait 3 mètres de long quand même, le petit coucou là. Le papa, je lui mets un petit peu plus grand parce qu'il est un petit peu plus fort que les enfants. Je vais même l'appeler papa troll. Ah non, c'est sympa comme truc. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Voilà. J'avoue que ça fait une sacrée compagnie, que ça a du mal à tenir dans mon petit mouchoir de poche. Non, en vrai, les autres, il faut que j'aille agrandir un petit peu. Hop. Voilà. Quel est votre plan d'action? Nous ont pas repéré là. Le problème, c'est que finalement, on en a trois. Donc, du coup, Est-ce qu'il se de rentrer? Ouais. Leur direction, c'est de là où vous venez. J'ai une idée plutôt dangereuse Dire. pour moi. Mais je suis avec mes aptitudes, je pense, ça reste risqué vu leur nombre, mais je pense pouvoir tenir face à eux.
Niru, en fait, en servant d'appât pour diriger. Et à ce moment-là, vous pourriez les attaquer pendant qu'ils seraient concentrés sur moi. Tu es sûr de toi? Comme je viens de le dire, c'est une, qu'on va dire, une formation que j'avais étudiée pour les quelques que j'ai eu à Ilantar. Et ça fait un moment et j'ai pu la mettre, mais elle me permet de tenir. Après, il reste nombreux. Globalement, ce serait être au milieu, compter sur mon armure, esquiver et compter sur mes esprits gardiens pour les moindres. Ils sont focus sur moi et à ce moment-là, pendant ce temps-là, On peut les vous les prendre à attaquez revers. vous les attaquez à revers. Ah bien. Comme ça. Dès qu'ils seront suffisamment sur toi, vous attaquerez. Et du coup, je dis ça en regardant les trolls. Alors, je vous le dirai. Ouais, vaut mieux. Ouais, ok. D'accord. Là où on est, c'est un heure ou un combat, parce que là je vois. Ok. Et ben, du coup, Vald va se lever, Oui. descendre et se mettre ici. Et il va lever son pied. Enfin, cogner de gants, je sais pas, oui. La réaction va être immédiate. Tu entends des grognements habituels chez morts-vivants, qui visiblement ont mordu à l'appât et vont vers toi, y compris les choses derrière. J'aimerais faire quelque chose dans ce sens-là. En imaginant que cette action les attire comme ça, je veux au moins caster une arme spirituelle. Ils sont assez nombreux, donc il y a les... Et je vise un spell slot de niveau 4. Et il me semble qu'il y a des règles en plongée avec les spell slots d'assez haut niveau. Arme spirituelle est niveau 4. Ah oui, d'accord. Non, c'est niveau 2, mais je le upcast. Ah oui, pardon. Tu sais quoi que tu... C'est une épée, c'est une hache, c'est un marteau. C'est un marteau. C'est là, j'ai le token. Ah merde, pardon. J'allais me mettre un... ok. Très bien. Je fais ça. Vu que c'est porté, je peux le faire sur un d'entre eux, là, pour la paix. Je vérifie, mais je crois que c'est 18 mètres de portée. Enfin, même si je sais plus que c'est vrai, des sorts de niveau 4, si c'est un Ah, niveau de pardon. fatigue ou je le sort. Oui, t'as un de jet à jeter pour savoir si tu prends un petit ou pas, c'est un pourcentage. Mais ça, je peux, mais je vais pas pourcentage. Je crois que c'est un 25% ou un truc comme ça. Ou si ça se trouve, je me trompe, c'est juste un des 20. Mais bref, faut que j'ai la stat. Oui, juste en magie.
dois... Ah bah tu vois, j'avais tort. Ok, ça va. Il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution. Le dé est 6 plus le niveau d'emplacement du sort. Donc, comme c'est d'emplacement 4. Donc, 4, 10. Donc, un jet de sauvegarde de Ok. constitution supérieur à 10. Donc heureusement, les deux seuls qui sont à la limite du sort, c'est ces deux-là. En fait, j'avais pas tant que ces marteaux. Un spirituel. J'imagine que 27 touches. 27, ça va tout. 27, ça Et est-ce que c'est un critique? va tout. Alors, suis con, moi. J'ai mis sur les tokens la CA. Oui, c'est un critique. Oh. Oui, mais... Ouf, c'est pas terrible. 5 tics de relance 2D8. Ça fait 16 de dégâts. Dégâts de... Avec une arme magique. Ouais, j'imagine qu'il va y avoir une lancée. D'abord, vous êtes parce que je vais en parler. En fait, c'est Vald qui est. Et dès qu'il est lui, je vais être. Ok. Bon, est-ce que je peux mettre les PV à mon mort-vivant? Ok, très bien. Donc oui, initiative. Parce que là, je crois qu'il va être temps que je fasse quelque chose parce que ça crache de partout. Pas que je le Et doucement parce que je suis pas trop envie qu'elle joue en même temps. Ah, ensuite, donc notre discret manière de faire quoi? discret, oui. Le premier, le deuxième. Là, il y aura une super bonne initiative. Mes zombies parce que j'ai tout simplement C'est tout partout. non non parle pas de voilà j'ai pensé de non à ce point-là oh, ils sont motivés les zombies je crois que Val les a énervés 10.0.6 comme initiative. oh putain il y a trop de points. Ouais, mais ils ont leur dex et leur vrai dex. Qui j'ai oublié les PNJ, bien sûr. Le chips. Ouais. Je crois que
éliminer les zombies, vous pouvez les ouvrir dans un autre cas. On a bien profité. Ça marche pas. Là, il y a 3 trolls. En fait, il y en a 4, mais ils sont... La maman. C'est pas une histoire pour enfants pourtant, mais ça commence pareil. Ah ouais, il a que ça. T'as fait 22-14 toi? Bon, ça donne quoi tout ça? Pas d'égalité. Non, c'est un truc de malade ça. Tout le monde là, donc c'est bon. Donc qu'est-ce que l'initiative est prêt? Est-ce qu'on le fait ce soir ou est-ce que le fait. L'heure des marins combat, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. La prochaine fois, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est l'FT parce que je pense qu'elle va participer au combat, sauf pour. Mais elle va quand même essayer de participer. Ouais. Après, je sais pas, Daphné, est-ce qu'elle agit comme un familier ou pas? C'est plutôt comme un familier, ouais. Bah, à ce moment-là, elle a le truc pour provoquer l'attaque d'opportunité. C'est comme le sort que. Donc, oui. Elle est aidée et elle s'en va, en fait. Ouais. Ok. C'est comme ça, c'est familier. Bah, après, si tu as d'autres trucs, bien sûr. On va voir ça là, chez toi. Je ne vous dis rien de plus, je vous ai dit suffisamment comme ça. J'ai dans la tête des nerfs. Ouais, effectivement. Et. Il va falloir. L'épée de Lomos, on va dire. L'épée de Lomos? Ouais. J'aurais dû emprunter l'épée à. Ah, son père spécial. Ah ben, elle est bourrine. Elle est bourrine. Comment te dire que elle est bourrine face à ces des sacs d'eau? Non, mais ça va aller. Bon, après, c'est vrai que théoriquement, de base, l'arme plus efficace aux os, c'est le marteau. Donc. De toute façon, je ces zombies, on va devoir attendre. Ouais, c'est les zombies, ils sont quand même négligeables. Oui. C'est vrai que pas les plus. Par contre, effectivement, je suis content de vous avoir trouvé un token de nuit et douce parce que je vous s'y rapporter. Et je vois si ce n'est pas une création. Julien Dutel parce que je n'en ai pas trouvé autrement. J'ai beau chercher, je n'en connais pas. Ah, Nuéos. Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui vais terminer le truc à chaque fois. Ah, d'accord. C'est Nuéos. Parce que bon, Mario a fait une pipée déjà hier. Mais c'était pas la même. Ça. C'était la même. Non, mais. Bon. Mais c'est bon. Je t'ai envoyé le marteau plutôt que toi, mais. Plutôt que le personnage. Parce que, c'était heureusement que t'avais une belle arme avec la. C'était quoi hier? C'était le feu follet? Ouais. Ouais, et malheureusement, face à ce genre de créature, un échec critique est passé. Et un échec critique a fait. causé beaucoup de tort. Tu peux le dire ou pas au Caris, Vald, Eriu. Quoi? Parce que c'était marrant quand même le câlin que t'as fait à la nuée hier. Bon, c'est pas une nuée.
c'est. C'était plus Oui, en plusieurs fait, niveaux. c'est. Je suis cet événement poussant un peu, c'est une sorte de triangle comme un élémentaire, mais où il y avait des bouts de corps dedans. Et pour le repérer, j'ai fait un check de conversion. Et donc, bah, j'ai vu un. Je sais plus quel danger dans son j'ai foncé dessus, quoi. D'accord. Bon, en même temps, c'est l'échec critique, hein. Ouais, mais je sais pas si t'avais regardé après les dégâts qu'il pouvait te faire. Je sais pas si t'as été curieux. Mais après, tu vois. Pas spécialement, bon, c'est moins ça. Par contre, du coup, j'ai hâte de voir la table et des champions si sur le voile mystérieux de. Ah oui, avec la Oui. tu vas rencontrer. Et toi, tu vas rencontrer Coach. C'est concerté d'ailleurs. En plus, on va ramener des gens très sympathiques. Ça va être sympa. Je sais plus ce que nous avons dit. En tout cas, il se fait tard, mais je pense que je vais pas t'accoucher. Ouais. De même. Donc, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, À bonne la nuit. prochaine. Bonne nuit tout Ciao! le monde. Ciao, ciao. Claude? Oui. T'as vu le FP de la créature? Oui. C'est pas ce que je vous ai demandé. Je comprends pourquoi il y a des. Je comprends pourquoi il l'a fait de base. Ce combat devait se faire. À l'arbre des mille bourgeons, c'est-à-dire à l'endroit où il y a